أزول مرة فتا كنت في اللون ثيقا وقيت ولين ثيري زغن بربا تلفزيون أول ما زالي تكميل داقيا فقلنا أنت من اللي ثاكنا نسقر في الشوال والمسلا يقوى فين الديفارون دي ثمور ثمير ثم ديث أدن تناول سيا غرفة ونسقر في الشتي مسالة سقد نمسلا يغا فين ديفارون وشافر إخدامان فقروس مسال وزا حنون أزول في اللام ثاني ميرت مدار زيف غورنا أزول في اللام سلام ثاني ميرت ثم قران تنولا أموسون الحراك يغالد سنار ثغوري لا ليكتور نم ثغالينكي Oui, d'abord, Mesh Hirak, ce n'est pas un Hirak, c'est un processus révolutionnaire. Ça y est, Raoul. Oui, révolutionnaire, donc Messar Thaouri, mais en réalité, Mahbush, il ne s'est pas arrêté. Mm-hmm. Il a été entravé, c'est-à-dire à cause du confinement, donc Mahbush, question sanitaire. Mais ça, on va de la mobilisation, le Facebook, le débat. Et surtout avec les grèves. Mm-hmm. C'est devenu les grèves des travailleurs. Mobilisation des populations pour les conditions de vie, les chômeurs, les jeunes, etc. D'après, c'est les étudiants, parce que l'université était fermée. Et ça continue encore. C'est-à-dire, c'est pas que les marches sont le vendredi. Donc, les marches ont repris. Les marches ont repris, c'est bien. Dans un processus révolutionnaire, le mouvement les mibène. Il faut qu'il soit visible. Il faut mm-hmm. qu'il soit visible. Et les questions politiques sont posées, mais ça aussi les questions sociales et économiques dans le cas. Ce n'est plus que les questions politiques. En plus, la situation sociale, elle s'est dégradée terriblement. Enfin, il y a l'année 2020, après le confinement, et donc c'est le contenu politique, social, culturel, kulch, la révolution. Et les formes, et puis le débat autour des formes qu'il doit prendre, il est ouvert, le débat il est ouvert. Donc, elle appelle qu'un processus révolutionnaire, ou là une révolution, ou là c'est pas une année, ou là 200 vendredi, 200 marches, ou là 600 marches, non, c'est plusieurs formes, plusieurs expressions, et personne ne sait quand il commence. Comment il évolue, Wartesh, il va arracher la victoire. D'accord. Mais là, on a un débat idéologique. Oui. Le débat des années 90, l'islamisme politique. Je suis témoin de ma femme. Oui, oui. Au début, en 2019, bon, c'était tous ensemble, khawa, contre le cinquième mandat, mm-hmm. Contre le système, tous les B, le Parlement, le gouvernement, et donc on ne discutait pas encore, mais elle, on ne discutait mm-hmm. pas encore, idéologie ou la projet de société, il y a des programmes politiques ou la qu'est-ce qu'on va faire après. Mais ça a commencé, 2019, parce que quand les marches, t'as vendredi, t'as mardi, t'as les étudiants, mais il y avait aussi les rassemblements, il y avait les débats, les squares, les places publiques, dans les entreprises, les universités, partout. Et d'ailleurs, à l'Ajel Hadji, le mouvement, il a été entravé, la répression Bdet, juste après la démission de Abdelaziz Bouteflika, parce que le pouvoir alors avait compris, le système a compris que la révolution, elle était en train d'évoluer, de se développer, et le monde entier était en train de nous regarder. Et donc, ça posait, bien sûr, c'était un danger pour le système, le pouvoir en place, mais un danger aussi pour les régimes réactionnaires dans la région, dans les pays arabes, dans les pays impérialistes, cool, dérangés par cette révolution, avec cette forme pacifique, etc. Après, bon, la décantation d'être d'air, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester à dire le système doit partir, dégage, etc., partez tous, etc., et après, le mm-hmm. contenu. Parce que, bon, un travailleur, pour lui, le départ du système, ça c'est la démocratie, ça c'est le droit de parler, de s'organiser, de manifester, de faire la grève, ça c'est aussi le droit d'avoir un salaire mlih, de mm-hmm. nourrir ses enfants, de pouvoir améliorer le sort de sa famille, les conditions socio-professionnelles. Pour un jeune chômeur, c'est ça, il parle, le droit de... Et sur l'islamisme politique, et ça c'est le contenu, ça c'est très important, mm-hmm. parce que les relous, justement, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas parler des idéologies, il ne faut pas parler de ça, etc. Il ne faut pas parler des questions sociales et économiques, mais tu n'as même pas à l'égalité en droit entre les femmes et les hommes. Ça veut dire qu'il y a un attendez, qu'il y a un système, dire au coulche. Non, c'est un piège. Non, parce que déjà, pendant la révolution de 54,
حسب la déclaration de novembre 54, congrès de la Soumam et tout ça, mais les choses, le débat existait sur qu'est-ce qu'on fait à l'époque. Ils ont opté pour la nature de l'État, et malgré ça, après l'indépendance, c'était le système de parti unique. Alors, on ne va pas répéter les mêmes erreurs. En 1954, les partis doivent se dissoudre. Mais individuellement. Donc, elle a dit que c'était l'erreur fondamentale. On a payé très cher après, et jusqu'à maintenant. Alors, on ne peut pas, dans une révolution, il y a tous les courants d'opinion. Ou d'ailleurs, moi, j'ai vu le panneau Hagda, dans le Hirak, il y a la diversité, il ne faut pas parler des idéologies. Mais elle est où la diversité? S'il n'y a pas d'idéologie, elle est où? En quoi elle consiste? Qu'il y a une mara ou rajel, qu'il y a un jeune, un vieux, qu'il y a Non. Dans le processus révolutionnaire, il y a la majorité pauvre, très très pauvre, hein, et il y a une petite minorité, les Bashbira, ça va, parce que les très riches, bon, ils ne marchent pas. Et donc c'est la contre-révolution, ils sont avec le système parce qu'ils ont tiré des avantages. Alors, en 1990, oui, il y avait une question idéologique, la nature de l'État, la nature du régime. Il y avait le courant qui voulait instaurer une république islamique, d'accord. Donc c'est le débat était ouvert, seulement Hadek, déjà à ce moment-là, le multipartisme était quand même assez fort. Je dis, et tout ça, c'était assez fort. Mais c'est le système qui est responsable. C'est le système qui est le produit de l'interdiction du multipartisme déjà depuis 1954, où l'IJEB, le parti unique en 1962, le système de parti unique. C'est Hadek le système, parce qu'il a instrumentalisé la religion. Normalement, un État démocratique, il sépare la religion de la politique. Il la sépare. Comme l'État a manipulé la religion, le système a manipulé la religion, elle était sraira, compte petite, ou à l'époque, il y avait un imam qui disait « Les maïmchis ma'a l'ishtirakiya, raw kafir, raw kafir. » Déjà, takfir à cause de l'ishtirakiya. Alors, et donc c'est le pouvoir, c'est le système qui est responsable de aider le courant à l'idéologie islamiste qui s'est développée. Maintenant, nous sommes un pays musulman, d'accord. Nous appartenons à l'ère culturelle musulmane. L'al-fada, hadayal islamit, al-hadar al-islamiya. C'est notre histoire, c'est comme ça. Donc c'est comme les pays chrétiens et tout ça dans la chrétienté. Qu'il y a des courants social chrétiens, démocrates chrétiens, etc. Mais Hadik, c'était autre chose, c'était une crise. C'est le système qui est responsable. Le pouvoir qui était en place en 1988, porte la responsabilité, l'entière responsabilité. Khatar, il a manipulé. Tlaab, après, c'était la dérive sanglante. Et non, aujourd'hui, on doit parler. En 1991, le fils, Makash a la majorité. Ce n'est pas vrai, les élections. La majorité, c'était l'abstention. En 1991, il a eu 27% des voix. C'est tout, c'est tout. Donc là, aujourd'hui, les Koulous, il ne faut pas qu'on parle de l'idéologie. Il ne faut pas qu'on parle. Anna, je dis, il faut marcher la tête découverte, à découvert. Anna Manemchich avec un masque. Mais je suis socialiste, eh bien, je n'ai pas honte de cela. J'affiche, je suis prête à débattre avec l'islamiste Hadek, avec le centriste, avec la droite, avec les autres courants à la gauche, ou je ne sais pas quoi. Donc, Anna, celui qui cache l'identité ou l'idéologie, il prépare un mauvais coup. Ça veut dire qu'il y a un moderniste, qu'il a mis de côté l'idéologie. En réalité, c'est qu'il va imposer son idéologie. Parce que dans d'autres pays, on ne doit pas tomber dans ce piège. Non, islamiste. Ok. Arwah Kulna, quel est ton programme? Parce que Anna, voici mon programme. Anna, je suis prête à débattre. Je l'ai dit en 1989, 90 et je le dis encore. Men khaf shanam le débat, men khafouch. Le problème, c'est pas qu'un islamiste il cache son idéologie pour tromper. Parce que Daru Hachefna, comment ils ont procédé ailleurs. Le problème, c'est que des démocrates, ils collaient que non, pour l'unité, il faut pas parler de l'idéologie pour ne pas diviser. Adimahish, l'unité, c'est l'unicité. L'wahdawiya, l'unicité. Ça veut dire, nous li kul ki ma des clones. On va fusionner, Hagda, c'est-à-dire on est asexué, hermaphrodite. Ma wahd bayin de gauche, wahd de droite, wahd du centre, ma kesh. Khlas, on est un magma, Hagda, on est un magma, un mouvement. Léla,
on est l'écrasante majorité du peuple, on est traversé par des courants politiques, des idéologies, et c'est la force de ce mouvement. Et donc, le débat. Pourquoi ? On fait la révolution pourquoi ? Pour changer le système, pour chasser le système et changer la nature du régime. Alors, qu'est-ce que nous faisons le régime ? Quel est le régime que nous mettons ? Nous faisons une dawla islamia ou une dawla démocratie ? Nous faisons une dawla de la droite ? Ou l'un des rôles, Daoula, social, Takda, démocratique, etc. Je veux défendre le programme Taï, où chacun doit défendre son programme. Alors, on ne peut pas tomber dans ce piège, parce que les démocrates, il faut qu'ils bannent. L'Ukraine a mis Bino, par exemple, il y a des islamistes, ils ont les pancartes, ou Bino, c'est-à-dire le courant Taïm. Les démocrates, ils Bino, les positions Taïm. C'est tout, chacun doit marcher à découvert. Un homme ne marche pas avec les gens masqués, parce que je ne sais pas ce qu'ils cachent sous leur masque. D'accord ? Et c'est dangereux. Maintenant, je précise, c'est une révolution, il y a tout. Kulish et son contraire. Tout. Al-Khatar, kul wahid, andou une raison de se révolter. Donc, mais en même temps, kul wahid, andou sa vision. Maintenant, un parti, andou sa vision qui est connue. Un syndicat, andou la mission ta'o. Une association, andou la mission ta'ha. Alors, oui, nous avons. Mais alors, sans condition. Jabal Khair, c'est un chercheur, c'est un académicien. C'est la libre pensée. C'est la liberté de tafkir. C'est la liberté de recherche. De recherche. Anna, je suis scandalisé. Scandalisé. Qui fais-je ? Un chercheur qui est. Il n'est pas le seul en Algérie. Heureusement, alhamdoulilah, on en a beaucoup. On a des chercheurs. Professeur Aboul Oula, c'est un chercheur extraordinaire. Et puis, il dit c'est-à-dire des lectures extraordinaires sur. Cool, sur les obscurantistes, ou l'Agda, y compris le hijab, sur. Il faut voir les études et les conclusions, et il assiste à des colloques internationaux. Ou Hada, c'est un médecin, c'est un pédiatre, c'est pas un illuminé, ou là. Alors, Andna, il y en a d'autres qui sont très éclairés, qui sont. Arkoun, l'Ayrhamou. Arkoun. Mohamed Arkoun, l'Ayrhamou. C'était un penseur, c'était. C'est l'islam éclairé, mais Hada, c'est un académicien. Un chercheur. Alors il dit, Wahed, n'importe qui, il fait les da'wa, il porte plainte, et la justice, elle accepte normalement, et puis ils viennent, et puis Khashouya, il lui déroule une potence. À l'intérieur du tribunal, c'était choquant. C'était choquant. Et ce qui me choque dans cette affaire, c'est que la justice, normalement, elle n'est pas acceptable. Parce que l'État doit. Préserver, ce sont les institutions qui doivent préserver la liberté de recherche, la liberté même de religion, quoi, de conviction, de conscience, de pensée. Et ça a toujours été écrit, même sous le parti unique. Même si c'est écrit religion d'État, l'islam est religion d'État, mais en même temps, avant Souboumdienne, etc., l'article 36, c'est la liberté de conscience et de pensée. Alors, Lyon, on a régressé. Peut-être que Daru Hadi, parce que dans la nouvelle constitution, la liberté de conscience, on a le droit d'exercer, de pratiquer les cultes. Les cultes. Mais si je n'ai pas la liberté de conscience, quel culte je vais pratiquer ? D'accord ? Bon, l'Algérie est un pays musulman, d'accord, mais ça m'amène à dire, Lyon, parmi les questions fondamentales, justement, tu as l'idéologie ou tu as Akada, c'est que nous devons poser la séparation, la nature de l'État. Un État séculier. Séculier, Almani. Parce que, Hanamanesh, c'est un pays chrétien, c'est pas la chrétienté, Ma'adenesh, une église, Ma'adenesh, c'est pas l'église, c'est pas le clergé, nous ne sommes pas un pays chiite, Ma'adenesh, les ayatollahs, d'accord, dans les pays sunnites, il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et Allah. D'accord ? Donc, c'est clair. Donc, en réalité, c'est une sorte de sécularisme qu'il y a déjà. Et normalement, on doit avancer vers ça, vers un État démocratique. Et à ce moment-là, personne n'oserait porter plainte contre Jabal Khair, que nous saluons pour le courage, pour la persévérance, et tous les Jabal Khair, et tous les militants, et tous les citoyens, qu'ils soient pratiquants ou pas, qu'ils soient pratiquants, mais la religion doit rester une affaire privée. C'est une affaire privée. L'État, et moi je vais aller plus loin. D'où là, ce sont des institutions. La religion, c'est pour les hommes et les femmes.
C'est pour les êtres humains. Un État ne fait pas la prière, d'accord ? Un État ma yisomch, un État ma yisalleich, un État ma yirohch l'hajj, un État ma yizkich. Ce sont les hommes, les êtres humains, parce que c'est l'alaqa, c'est la relation entre l'être humain et Dieu, sur le terrain de la croyance, d'accord ? Des convictions religieuses. Et donc ce débat, il doit avoir lieu aujourd'hui. Ceux qui, les mehbouch, ils ont débat sur les idéologies, sur les programmes, c'est parce qu'ils cachent quelque chose, et quelque chose de pas bien. نروح أعرف مسألة بارتي يخدمنا كبر يخدمن ذي ثميلي ثلاثين جرف الكوميتي سنترال تقصد ما كنا في تكيمارا كبر هذه بويكوتي سيفرانين دو دوز جوان قدي في دون أي غار بوركوا يعرف بويكوتي من الزيليكسيون أتلس عندي سقصة يقان اسكو سي لا بريمير فوا نخاتي نو ما هيش لا بريمير فوا نو نو سي با لا بريمير فوا On a, par exemple, en 1990, on n'a pas participé aux élections locales. Mm-hmm. Parce que, avec le découpage, etc., que ce n'était pas démocratique déjà, mm-hmm. et qu'on n'était pas prêts. Khajnam, la clandestinité, on préparait le congrès de fondation du Parti des Travailleurs, et on a considéré comme Azel. Ce n'était pas... et puis, Khajnam, le fils, parce que la majorité a voulu sanctionner. Le système, le mm-hmm. système de parti unique, t'as l'FLN. En 1991, en juin 91, on avait présenté des listes, mais ça a été annulé. En décembre 91, on a décidé de boycotter. Et j'ai animé 19 meetings. Alèche, on a dit, dès le scrutin, la situation elle était très mauvaise, très très mauvaise. Il y avait la crise qui était là. On a fait l'odeur du sang. On a dit on veut pas participer. Malheureusement, tout de suite après, on a sombré. Nous, on a boycotté. On était les seuls. Les partis démocratiques ont tous participé. Et les résultats, Marofin, voilà, on a sombré. En 95, les présidentielles, on n'a pas participé. Et on s'est abstenu. On n'a pas fait de pression. Allez, parce que le sang coulait à flot. Les citoyens sont libres. Nous, on n'y va pas. Les citoyens sont libres. Hna, c'est la paix. Pour nous, c'est la question de la paix d'abord. D'abord et avant tout. En 97, on a les législatives et les locales. Mais on s'est retiré des locales. Khatar, le ministre de l'Intérieur, Khalna, nahiou l'Assemblée constituante, nahiou la paix, nahiou le programme. Alors, la censure, on a décidé de se retirer. Et après, en 2002, on est allé aux législatives, on a les appuyés seulement, pas les locales. Non, on n'est pas prêt encore. Mais elle, le parti, il était en pleine reconstruction. La tragédie nationale a détruit les partis. Elle a détruit les partis, les associations. Et donc, on était en train de se reconstruire. Et on a participé aux autres législatives. Nous avons quitté l'Assemblée nationale, nous avons démissionné. On est le seul parti qui a démissionné de l'Assemblée nationale. Le 26 mars, le bureau politique, à l'unanimité des présents, a voté la démission du groupe parlementaire dans son ensemble. D'accord ? Les millions d'Algériens disaient le parlement dehors, le gouvernement dehors, et disaient vous devez sortir. On a démissionné. On a écouté l'appel. Derrière les millions d'Algériennes et d'Algériens, parce que là on marche avec le peuple. Les élections, en principe, c'est tactique. Haja tactique, mahish principielle ou la stratégique. Mais parfois, ça devient stratégique. En décembre 91, c'était stratégique. Stratégique, rihat ad-dam, il y avait l'odeur du sang. On voyait la crise arriver. Et donc, on a dit ma rohosh. Et sur la participation, il y avait un ikhdamen, il y a eu 20 ans, il y a eu Bouteflika. Bon, d'abord, en 1999, les élections présidentielles, Kavari Khaddamen n'a soutenu aucun candidat. Les sept candidats, ratés. Mon dossier avait été rejeté. Alors, on a organisé une campagne indépendante, avec des bulletins de vote que nous avons confectionnés. Je voulais voter pour elle. C'était pour le parti, quoi. Et en même temps, on a pu faire une campagne. National, expliquer notre programme, nos positions, et donc pour que le parti reste, soit dans la dynamique. Et en 2002, nous avons participé à la Khatar, la nation, l'intégrité de la nation était en danger. Le mot d'ordre central, c'était
pour l'unité de la République, pour l'unité et l'intégrité de la République algérienne. Les événements de la Kabylie. Exactement. Après la provocation très lourde, une fraction du pouvoir, après l'assassinat des jeunes, de 128 jeunes, sans compter bien sûr les blessés, les dégâts, etc. Donc, on a décidé d'utiliser la campagne électorale pour défendre l'intégrité et l'unité de la nation, mais sous quelle forme ? Ce n'est pas la question des sièges ou l'agda. On s'est déployé de façon extraordinaire. Alors, j'ai mené une campagne, à chaque fois des responsables de Tizi Ouzou. Et Rouhouf, les meetings dans toutes les wilayas, et ils expliquent quelle est la situation à Tizi Ouzou, à Bjaïa, Bouira, Boumerdès, qu'est-ce qui s'est passé. Et alors, les deux langues, en arabe et en tamazir. Et c'était un référendum, un référendum pour la reconnaissance et l'officialisation de tamazir comme deuxième langue nationale et officielle, mais aussi pour le jugement, les responsables, les commanditaires et les exécutants de l'assassinat des jeunes, le massacre en Kabylie, donc la tragédie pour la reconstruction. Dans l'Assemblée, on avait déjà déposé une motion de 9 points, toutes ces revendications. Et donc on a démontré que le peuple algérien, il est pour la reconnaissance de Tamazight, contrairement à ce que disaient les panarabistes ou les autres. Et donc, pour nous, c'était un instrument, donc les élections qu'on a utilisées, enfin, la période très, très, très critique, quoi, très dangereuse. Après, en 2005, il y avait les élections partielles en Kabylie. Les élections partielles, eh bien, c'était une campagne fabuleuse, les Anadrta, dans les wilayas de Kabylie. Elle a fait jusqu'à 7 meetings par jour. Quelquefois, on a fait à 7 heures du matin. Ou que nous, les citoyens partout, ils donnaient d'abord les cimetières de l'Ishouhada. C'était extraordinaire. Et donc, partout, on s'est promis sur les routes, avec bien sûr, pour me souhaiter la bienvenue, avec de la nourriture, mais en même temps, je n'ai pas pour discuter de tous les endroits historiques, fait Bjaïa, fait Tizi Ouzou, là où la déclaration du 1er novembre a été élaborée, donc c'est-à-dire tout ce qui rappelle le rôle essentiel qu'a joué la Kabylie dans la révolution algérienne, son rôle majeur. La participation via Achrin Sna et Gaddan, 2009, 2012, 2017 au parti. Oui, alors, à chaque fois, bien sûr, il y avait un objectif politique. Et parce que, en situation normale, quitte qu'on la situation normale en temps de paix, c'est-à-dire où déjà les libertés étaient restreintes, on ne pouvait pas sortir manifester, on ne pouvait pas faire de rassemblement, il y avait la répression les libertés, mais pas comme aujourd'hui, le haq. Bon, parce que c'est le même système qui s'est décomposé encore plus, ce n'est pas une question de Bouteflika khir ou là, non, du tout, le kangad Bouteflika, ça aurait été la même chose, peut-être pire, parce que là, on est conscient de que c'est un processus et que c'est un système. Donc là, on a utilisé les élections, parce que c'était les moyens qu'il y avait à notre disposition. Mais on sortait pour défendre les syndicalistes, pour défendre les jeunes, pour défendre les étudiants contre la répression. On a utilisé le groupe parlementaire Terna jusqu'au bout, respect du mandat, pour défendre les droits des travailleurs, de la jeunesse, les libertés, contre la régression, contre les lois scélérates, contre les atteintes à la propriété collective de la nation. On a défendu bec et ongle, où tout le monde le sait, sur les hydrocarbures, ou là, les privatisations, ou la Tamazight, ou là. Oui, on est fiers. En 2002, nous sommes allés voter pour la reconnaissance de Tamazight. 2021. Pardon, juste une camélade, parce que c'est important de rappeler Hagda des étapes. En 2017, les élections, parce qu'on a été sanctionné, il y a eu une opération, tu as le pouvoir, on y reviendra plus tard, le gouvernement nous avait sanctionné, mais terriblement. Ils ont volé nos voix et nos sièges, au Midoum, les partis, tu as le soldat, tu as le pouvoir, et leurs amis, les Tfahmoum Ahom, dans le cadre de leur quota, ils nous ont encore sanctionnés, se sont vengés de nous. Mais Anna, qu'est-ce que j'ai déclaré? J'ai dit le parlementarisme qui existait, tel d'orque. Même de façon Hagda de façade ou l'Agda, il est fini. C'est terminé. Nous ressemblons à l'Égypte d'Hosni Moubarak en 2010. Ça veut dire que la crise révolutionnaire est jaillie.
Et à partir de ce moment-là, la question de notre sortie, mais l'Assemblée nationale, elle était à l'ordre du jour. En 2019, le processus révolutionnaire, dans le 22 février, le bureau politique, dans l'unanimité des présents, ça veut dire moins un seul membre, deux, à l'unanimité, nous avons voté la démission du groupe parlementaire du Parti des travailleurs de l'Assemblée. Allez, parce que les millions d'Algériennes et d'Algériens disaient dans la rue non au cinquième mandat, non au quatrième mandat et demi, tarhal al hukouma, yarhal al parlement, dehors tous les baies, tous les symboles du système pour que s'exerce la souveraineté du peuple. Et ils nous disaient dans les marches, les hommes, trois jours, l'Assemblée nationale, vous devez démissionner, nous avons démissionné. Tout simplement, le 26, nous avons pris la démission, le 28, ceux d'Alger ont déposé les démissions. Après, d'autres ont suivi. Et le comité central a confirmé cinq jours plus tard. Il a confirmé la décision du bureau politique à l'unanimité. À l'unanimité, parce que c'était... Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour aider le mouvement révolutionnaire, avec le Masser Thawri, pour qu'il commence à démanteler le système. Pour qu'il commence à démanteler. Et on nous a sanctionnés. C'est une des raisons pour lesquelles... 2019. Oui, 2021. Donc, 2021. 2021... Nous ne sommes pas en situation normale. Il y a un processus révolutionnaire qui a éclaté en 2019. Le peuple, il dit toujours la même chose. L'écrasante majorité, là, il trôle le système, les mérons. On ne veut pas son replâtrage. Là, il n'est pas replâtrable. On ne peut pas le sauver. On ne peut pas le réformer. C'est fini. Bekri, oui, peut-être en 2009, on a mené une campagne. On a rassemblé 1 300 000 signatures pour des réformes politiques. Pour que, et puis on a demandé à Bouteflika que laisse une assemblée constituante. Had le système, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas un parlement, et que Chab doit décider. On s'est battu toujours en permanence sur des questions démocratiques, sociales, économiques, culturelles. Et donc, mais là, la situation, elle est différente. Le peuple, il a l'exigence, c'est le départ du système. On ne peut pas être en porte-à-faux. On suit les aspirations tatallouat, les exigences de l'Achab. Et en plus, quelle est la priorité des Algériennes et les Algériens en majorité? Est-ce qu'ils ont demandé des législatives? Non. Est-ce qu'ils ont demandé des présidentielles? Non. Est-ce qu'ils ont demandé un référendum d'Irusolta pour sauver le système? Non. La démocratie aurait voulu, wesh, yani, pour qu'il y ait un changement. C'est que la parole tarjaille le peuple. Qu'il y ait d'abord un débat. Il y a un débat. Il y a les journalistes, pourquoi le FFS, le RCD, le PT, le PST participent dans les élections de 2002, 2007, 2017, qui ont la légitimité, qui ont la légitimité. Et les élections de 2 juin, hier, les quotas, les réseaux sociaux. Je vais utiliser un terme, les journalistes, c'est une absurdité politique. C'est vraiment une absurdité, une incompréhension extraordinaire. Dans tous les pays du monde, on prend la décision sur la question des élections en fonction de la situation. Il y a un processus révolutionnaire. Il y a des élections qui ne sont pas l'aboutissement. L'aboutissement, c'est... Le processus révolutionnaire, parce que le processus révolutionnaire, en fin de compte, l'ESM yousel à une étape, à un moment, où il va choisir, bien sûr, ses représentants à travers des élections, ou là, un mandat direct, mais les communes, ou là, à travers une assemblée constituante, ou là, etc. Où là, il va choisir système parlementaire, et donc il va choisir d'abord son assemblée. Là, on est pour un système... monocaméral, une seule chambre, d'accord. Il va choisir un système semi-parlementaire ou la présidentielle. Mais là, c'est le fait accompli, d'accord. Mais quand il n'y a pas un processus révolutionnaire, un parti, soit il relâche la roue, il fait rien, il n'a pas les moyens de s'exprimer. Quels moyens nous avions de nous exprimer? Quels moyens? Pendant une campagne électorale, la télévision, les médias sont bâillonnés, etc. Il faut qu'on s'exprime, qu'on puisse s'exprimer. Ce n'est pas donner la légitimité ni aux élections, ni à un président, et encore moins à un système ou à un pouvoir. C'est utiliser les quotas. Les quotas. C'est utiliser les instruments, les kainines. Alors cette histoire de quotas, celui qui a des informations,
il faut qu'il les livre la population. Ou yatine hna comment daru hadouma les quotas. Si le système procéder à des quotas, c'est son problème. Hna, on n'a jamais été dans le secret des dieux. Et hna, je le répète, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai défié et je défie tous les responsables, tous les ministres de l'intérieur, les présidents de la République, les chefs de gouvernement, les premiers ministres qui se sont succédés, je les défie. Un seul qui puisse dire qu'un jour, il aurait osé dire à Louis Ahmed, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, ou à une délégation du PT, on vous donne un quota, ou là, on vous donne ceci, tant de sièges, ou là. La règle, en ce qui nous concerne, ça a toujours été le hoss. Sarkoudna les sièges ta'na, le hold-up, ihwas, sarkoudna les sièges ta'na, et en 2017, c'était les pires. À chaque fois, on a participé en 97. C'était slah dans les bureaux de vote, et domicile encore. J'ai failli me faire assassiner à Jbahia Fibouira. Kjolib slah, comme ça, armé. Slah, c'était dans l'Assemblée. Mais nous, c'était la question de la paix. Si on n'avait pas participé aux législatives en 99, comment la population, le peuple algérien, si tous les partis n'avaient pas participé, le FFS, le RCD, même le FLN, etc., le peuple algérien n'aurait pas pu imposer la question de la paix, qu'elle soit posée. Hna le PT d'Hna à l'Assemblée. C'était notre objectif, d'accord? Nous sommes le parti dont la question de la paix se confond avec notre identité, l'arrêt du bain de sang. D'accord? On a utilisé pleinement, mais jamais nous n'avons négocié notre indépendance, notre honneur. Parce que si on l'avait négocié, si on avait un jour négocié, Sraïlik, vous croyez que l'youm, j'aurai la liberté de ton hadi, je serai yani, capable de m'exprimer en toute indépendance sur les questions politiques, économiques, sociales, etc. Non, on a le Parti des Travailleurs. Quand on voit par exemple qu'il y a une décision qui est positive, lorsque c'est une victoire pour le pays, ou là pour les jeunes, ou là pour les travailleurs, on dit c'est bien, c'est positif, c'est une victoire, et on revendique plus et on se bat pour plus. Et non, il y a une différence entre défendre la nation contre les ingérences, défendre la souveraineté du pays, et défendre un système ou un pouvoir. Défendre un État, c'est-à-dire l'existence d'une institution pour que si l'État s'effondre, on n'a plus de pays, on n'a plus de nation. Il y a une différence. Je crois qu'il y a des amis parmi les journalistes qui ont besoin de faire la distinction entre utiliser les moyens qui existent, mais à dire l'histoire t'as les quotas, il y a des partis qui ont négocié. C'est clair. On a vu, on a eu des sièges. On a eu en 2017 à Alger à 16h, ma liste avait 16 sièges. Et après, on a retrouvé nos sièges à d'autres partis. On bat les élections locales. On avait des sièges à la PVI. On était les premiers. Ma liste à Alger, les législatives, elle a toujours été la première. Elle a toujours été la première depuis 1997, parce que j'ai toujours été tête de liste, d'accord? Mais à chaque fois, il se retourne les sièges. En 2007, j'étais la première. J'étais la première, le FLN était le deuxième. Ils nous ont volé un siège, un siège. Mais on avait les résultats, parce qu'ils ont impliqué la justice, l'administration. Et là, on n'a jamais eu d'illusion sur la nature, tu as le scrutin. Le bel n'a qu'un trafic, qu'un tazouir. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il fallait qu'on parle, qu'on s'exprime. Sinon, on allait disparaître comme parti, d'accord? Mon ami, les journalistes, les journalistes, les journalistes, les journalistes, les journalistes, etc. Marochnèche, les élections, en décembre 91, Khalou, Alèche, Marach, le PT, etc. Comment il a osé boycotter? Ah, je fais les résultats, d'accord? Ah, je fais. Marochnèche, en 95, Khalou, etc., etc. Khalou, Alèche, Marach, on n'était pas les seuls. Beaucoup de partis, les partis qui se réclamaient de la paix et tout ça, Marachouche. Et là, on s'est abstenu. Et là, on a décidé pour 1995 de ne pas participer. Il a dégagé l'orientation de la paix, c'est son droit le plus absolu. Et là, on ne fait pas de pression sur les consciences. Là, pour 2021, je viens d'expliquer les conditions. Alors, on a dit de l'absurdité. Le journaliste, à la conférence de presse, certains disent que c'est parce qu'on ne vous a pas proposé un quota. Ah bon? C'est parce qu'on ne nous a pas proposé. C'est absurde, ça. Il faut être cohérent quand même. Il faut être un peu conséquent. D'abord, on n'a pas participé au dialogue.
On n'a pas été concerné pour le, par le dialogue pour qu'on nous dise et on n'accuse personne. On n'interfère pas dans les affaires des autres partis. Mais contacte Tebboune, regarde, ils sont Tebboune. Qui vais-je? Ils sont Tebboune pour la rencontre. Non. Ils sont libres. Lui est libre. Il a rencontré qui? Il a voulu rencontrer. Les partis qui ont décidé d'y aller, ils sont allés. C'est leur droit, c'est leur choix, c'est leur stratégie et leur tactique. On est pour le multipartisme. On n'a pas été contacté. Bon, c'est, voilà, c'est la situation. Hein, c'est un état de fait. Donc, on va discuter avec... C'est pas de la question. Maintenant, je ne fais pas de la politique fiction. C'est-à-dire, les questions, elles se décident en fonction de la situation du moment. C'est ce qui fait. À un moment donné, on peut discuter. À un moment donné, on peut ne pas discuter. Ça dépend de la situation. Ça dépend de l'état des lieux, du pays. Voilà. Mais ce n'est pas une question principielle. C'est pas une question principale, c'est une question tactique. C'est quoi, la question des élections. Un occulte, si on avait vu qu'il y avait une chance sur mille pour que aide les élections, elle participe du départ du système. Alors, aide, c'est aide pour que le système s'en aille. Que ça soit l'amorce du processus de départ du système. Et bien, même si elles sont antidémocratiques, et au confirme la fraude, on aurait participé pour aider. Pour qu'il utilise pleinement le scrutin, elle est dehors. Parce que ça s'est produit dans d'autres pays. أزول مرة كنت في اللون في جو جات ولين سير زارم برب التلفزيون مازال أول ذقي يفنا كمسال وزاح إنه نتف تيم ضبار في كفر يخد دمن نبود بحر الشام زورون الطاس نتم سالين دي شدنا أموسو نثيرة ولكن دنا نتف نايك ماشي الحراك سي تيرة ولا ماشي في الحراك دنا مسال وزاح نون في مسلاية ثوال سوال غف ثوال إنه بوجود تمول الزيار ثوال سما سنقيت غف ديولوجي غف مخالف نغم يرف أنت مغلي وين ذو قلنا راجين تسرفي في نخيلة قبيلين ولش نوا يخذ منا ذي غوم إيمانيس ما يلا أي قدش لا ديمقراسي لقد ينقل خدمة ما يلا يسا لديولوجي تين سلم سنع الإسلاميزم بوليتيك لقد ينقل فاج تجيف نخيلة قرا سفرة سوغلد سيمزرو يخذر يخدمن لبويكوت يخذر يخدمن كسكوس 90 91 سوغلد دوكا في مسال تجي نسقسات نكون نيسا في لي كوتا في مسال تجي لتزن بوال ثرد غثريث فرد غثي سقسيا نا السفتاقين يعدان سنسفت فلا ثرفع ثرفع فلا انخراب فلا يوث فلا غرم في ممبر في الكوميتي سنترال نجمع دي مزافرون انا كيفان كوني انصغف الله كيفان يخدمن ويزاح نون داين فنفني بلي ريبريزونتون ما يلا لا دراج لا ولاية انت الجزائر ثمنا في كياس الموتوريزاسيون نوالا لا غريف يخمن الحركة التصحيحية التقويمية يشافر يخدمن ثم سالتا جيما حكي بغتي ثم ديث بوس هو صح البارح إيار أنا جي أعطيت تو لي زيليمون ديجا نهار الأربعاء الأخرى ميركودي ديك عرفنا جي أليرتي لوبينيون بوبليك إي لي بارتي C'est-à-dire l'atraf CSIA. Ça me qu'un samedi le 3 avril. Non, avant. Avant, déjà, j'ai alerté. Le vendredi. Mercredi. Avant. Ça veut dire. Ça veut dire que Bill Mayatolhom l'autorisation. Avant. Le 31. Voilà. Parce que maintenant, on a su qu'il y avait des mouvements, etc. Que Taslom a des. 31 mars. Des militants avec des. Voilà. 31 mars, Taslom a des responsables, des membres du comité central, Baïm Choumahoum. Donc, on a su qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Alors, j'ai saisi le Wali d'Alger, une lettre, une correspondance, mercredi, et j'ai fait un point de presse. Un live sur Facebook. Voilà, et j'ai expliqué où se radin et etc. Pour alerter. Pour alerter, parce que aucun responsable ne m'a dit Ah, ma kunch ala bali, qu'est-ce que c'est, je ne savais pas, etc. Non, pour dire voilà, je vous ai informé. Il est responsable après de ses actes, etc. Et ils n'avaient pas encore l'autorisation. Elle est belle, les noms, je connais Oman, les trois, etc. Les canaux de Harkou, je connais les canaux, les contacts. Et le jeudi, à Taoulhom, une autorisation, parce que Kerahou l'hôtel, ils avaient la demande, c'était effectivement Harakat Kouimia, les Massar Hizb al-Ummel. Hizb al-Ummel, d'abord, il n'a pas dévié.
La preuve, il est constant sur le terrain de ses principes, etc. Mm. Et Koulou, voilà, Koulou, les militants, les Aïtolons, là, comment le parti ne participe pas aux élections, alors que Hedouma, ils n'ont rien à voir avec nous, ils ne sont plus au parti. Ou qu'il y a une Atraf Solta qui sont en colère contre le parti parce que, machin, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas possible, c'est inimaginable. Le comité central du Parti des Travailleurs s'est réuni. Il a voté à la quasi-unanimité, ça veut dire une seule voix pour la participation, une voix pour l'abstention. Mmh. Et à l'unanimité, après une discussion d'un jour et demi, sur est-ce que les élections, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'elles vont aider, est-ce qu'elles vont résoudre les problèmes, est-ce que c'est une demande populaire, est-ce que ça va aider le processus révolutionnaire, ben, on a conclu que non. Non, c'est, ça ne peut pas aider, ça s'inscrit dans le cadre du sauvetage de Nedam. Et là, on ne peut pas marcher à contre-courant, l'axe, les aspirations à la majorité, d'accord? Et en plus, ce n'est pas la priorité. Pour nous, la priorité, c'est le travail, c'est les emplois, c'est la jeunesse qui est en détresse, c'est les entreprises qui vont fermer, c'est l'arrêt de la répression, c'est la libération des détenus, c'est le droit à l'expression, c'est la liberté de la presse. Hadouma, les priorités pour nous aujourd'hui, pour qu'il y ait, pas un assainissement, c'est-à-dire pour que puisse s'exprimer une dynamique populaire. Et la parole Tajalcha, pour nous, c'est notre vision. C'est notre vision de la situation, de comment faire. Et donc, parce que nous sommes avec les citoyens, nous sommes avec les commerçants en détresse, nous sommes avec les travailleurs indépendants, nous sommes avec les travailleurs, les entreprises, les oligarques qui sont en prison et qui, presque 100 000 travailleurs sont concernés. Mais c'est un crime économique. Allez, je t'arrête les entreprises, ok, d'accord. Mais allez, je t'arrête les entreprises, c'est l'économie nationale. C'est au contraire. Au contraire, quand on a enregistré, par exemple, pour l'entreprise Takuninef, les oléagineux, le traitement des oléagineux, Fijijil, on sait bien que l'État doit reprendre. C'est une renationalisation, c'est une nationalisation. Là, c'est-à-dire, c'est les solutions immédiates. Immédiates. Moi, j'attends pas pour que le travailleur ait son salaire. J'attends pas pour que le détenu d'opinion j'attends pas pour que la femme les féminicides la violence contre les femmes j'attends pas je m'adresse donc aux autorités. Donc la politique du Parti des Travailleurs, elle est connue. Nous avons le comité central a décidé la non participation. Maintenant nous ne présentons pas de liste, on a tous des listes et nous ne soutenons aucune liste. Voilà, mais on a une confiance dans le peuple algérien, ses capacités de discernement. Ça veut dire c'est lui qui dégagera la démarche. On a vu à chaque scrutin comment les Algériennes et les Algériens, dans leur majorité, se sont disposés. Fait le référendum constitutionnel. Est-ce que c'est la campagne de boycott ou la non-participation? C'est Chab, comme un seul homme. D'accord? C'est le corps électoral qui a décidé de ne pas reconnaître. Donc le peuple algérien, il est mature. Oubiyinha depuis l'éclatement du processus révolutionnaire. Et non, on ne fait pas de pression sur les consciences. Qultakbila, l'ihbi tawr et tawr, il est libre. Je l'accuse de rien et je n'attaque personne. Celui qui veut participer est libre. Nous, on compte parmi les partis ou là, les acteurs politiques qui ont décidé de ne pas participer. Les citoyennes et des citoyens, en nombre très très important, s'expriment là-dessus, mais là, on ne fait pas de pression sur les consciences. D'accord? Et donc, à partir de là, c'est une décision souveraine. Nous n'avons insulté personne, ni aucun responsable, ni rien du tout. Et en plus, elle est sans rentrer dans les considérations de la loi électorale qui a aggravé la situation encore plus. Parce que là, on ne sait pas ce qui va sortir de ces élections. Donc, après cela, bon, on a vu se mettre en place ce mouvement, Ataoulhom cette autorisation, peut-être qu'au point de départ, Ataoulhom une autorisation pour un mouvement, le Taqwimiya Hadi, peut-être, je dis peut-être, parce que la demande à l'hôtel, c'était avec un cachet humide, comme ça, c'est illégal, celui qui a fait le cachet humide, en principe, il va au Habs. D'accord, parce qu'on ne peut pas, on n'est pas une république, pas à ce point quoi, on a une loi sur les cachets, mais si n'importe qui, on a donné une autorisation pour une réunion ordinaire, publique. Une réunion, l'Iqa Umoumi, trois personnes, des ex,
T'as le PT qui n'ont plus rien avec nous, ils n'ont pas de carte d'adhésion. Ils ont été, alors, même qui ont été, deux ont été exclus. Wahed, un ancien député, Tati Paza, il a été exclu parce qu'il a refusé de sortir de l'Assemblée. Quand on a pris après avoir voté la démission de l'Assemblée, il a changé d'avis. Pour des raisons personnelles, Tao. D'accord ? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Un ancien membre même de le bureau politique qui a démissionné par voie de presse pour raisons personnelles. Les Asbeb Khassa. Et la presse a publié. Et le troisième, c'est Wahed Ta'alji, qui est un membre du comité central, juste après mon arrestation, participé dans une offensive terrible contre le parti. Terrible contre le parti, un an en prison. Et il y a eu une opération multiple. Jaya, mais le Parlement, parce qu'ils nous ont imposé un faux groupe parlementaire. Jaya, mais le gouvernement, bien sûr, de l'époque, Ta'bidoui. Jaya, le centre Aubain. Le centre Aubain, c'est celui qui a pris le pouvoir après la démission de Bouteflika. Mm-hmm. D'accord ? Donc, Hadouma, Madoum, aucun lien organique avec le parti. Bon, ils ont demandé l'autorisation. Dans d'autres circonstances, j'aurais rigolé. On dit, Alhamdoulilah, Ya Rabbi. Qui est au sein d'Al-Had Sa'a, où aide trois personnes, trois citoyens peuvent demander l'autorisation de tenir une rencontre publique ou attendre l'autorisation. Ça veut dire on revient à avant 1992. On revient à l'Hadak l'intermède, après 88 et jusqu'à fin 91. Quand, juste avec une demande d'autorisation ou une déclaration, on pouvait faire une marche, on pouvait faire un meeting ou un rassemblement. Mais on a suivi, parce qu'on a su que j'avoue un huissier de justice. Un huissier de justice, mais un jibou pour une rencontre publique. Un jibou pour la fondation d'un parti, d'une association, d'un syndicat, de quelque chose, quoi, de légal qui aura besoin d'un agrément, d'accord ? Et l'huissier de justice, il vient faire son procès-verbal vers le constat, faire un constat, où d'où le ministère de l'Intérieur. Bon, on a compris qu'il y a quelque chose qui se tramait, ok ? Et on a suivi l'opération, et Annie de très 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 près, on donna les éléments, ce qu'on les a, ce qu'on les mangeait, et la quasi-totalité, mais n'a aucun lien avec nous. Il y a des ex qui ont été soit exclus, soit radiés, quelques-uns même, Wahid Men 2007, Kain Men 2012, Kain ceux qu'on a exclus parce qu'ils étaient poursuivis pour affaires de corruption, non, on ne garde pas chez nous les corrompus, d'accord ? Kain, qui ont participé dans les tentatives de putsch contre le parti, contre sa direction en 2015-2016, voilà, et c'était une opération centrale, tu as le pouvoir sous Abdelaziz Bouteflika. Sous le règne de Abdelaziz Bouteflika. À ceux qui prétendent que le Parti des Travailleurs a soutenu Bouteflika, alors qu'ils m'expliquent cela. Qu'ils m'expliquent comment, sous le règne de Bouteflika, il y a eu une offensive d'une extrême violence qu'aucun parti n'a subie pour me destituer, pour destituer la direction, pour modifier la nature du parti. Cher Koufiha, la présidence, c'est-à-dire le conseiller du président, le secrétaire général du FLN, le chef des oligarques, l'oligarchie, Tlaiba Hadek, Cheikh Koufiha, le ministre de l'Industrie, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Cheikh Koufiha, bon, un Qanet télévisionnia, Khassa, qui a multiplié les mensonges à mon encontre, etc. Donc ça, il y a parmi les Cheikh Koufiha, quatre syndicalistes qui sont des cadres de l'UGTA, qui étaient dans l'opération de 2016. Pas à 2019. 2019, Fevrier 2016, il y a 2019. Oui, deux fois. C'est-à-dire... 2019, où est-ce que tu es dans l'UGTA? Le responsable de l'UGTA, c'est quand même? Non. 2019. Non, 2019, il n'y avait pas l'UGTA. C'était en 2016 parce que l'opération, le QG, le quartier général, c'était l'UGTA. Le siège de l'UGTA, d'accord ? Et l'actuel secrétaire général de l'UGTA était au cœur de l'opération, alors qu'il était député du Parti des Travailleurs et membre de sa direction. Mais on lui a donné l'ordre de marcher, il a marché après lui-même et l'ancien secrétaire général. Ils ont donné l'ordre à des dirigeants de l'UGTA, qui étaient en même temps des dirigeants du Parti des Travailleurs, de marcher, sinon ils perdaient leur poste dans l'UGTA. Comme responsable de fédération, ou là comme membre même du secrétariat national, ou là responsable dans les unions locales, et donc ils ont marché. On a été obligés de les exclure. Certains
ont marché, seulement ils se sont retirés. Mais d'autres étaient très actifs, ils ont fait beaucoup de zèle, d'accord ? Alors aujourd'hui, les organisateurs, samedi, le ramassé, les jabou, ils prétendent, parce que les quatre Hadouma sont dedans, ils prétendent que l'actuel secrétaire général, qui était déjà dans l'opération de 2016, ils prétendent qu'il est aussi dedans. Mais on n'a pas de preuves, donc on ne peut pas porter une accusation, madame Manesh, les preuves. Donc on a tous les éléments. Tous les éléments simplement. Statut et un règlement intérieur. Oui, avant de revenir au statut, le problème c'est que voilà une réunion publique. Kanhadou, ils sont allés pour faire une réunion publique pour fonder une association ou là un parti, c'est leur problème. Ça ne nous concerne pas. Mais ils ont transformé une rencontre publique en une réunion du Parti des travailleurs. Hada smu hold-up, smu sariqa, smu hos. Ahous, voilà, dans les autres, dans certaines régions, la petite Kabylie ou là dans d'autres régions, voilà, arabophones, c'est Ahous, c'est Sarko, c'est une tentative de hold-up des extérieurs au parti, parce qu'on ne peut pas parler de Taqwim ou là, Tashih ou là, ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas concernés. On a pris une décision souveraine de ne pas aller aux élections. Mais de quoi ils se mêlent? Ils n'ont qu'à fonder un parti. Amidirou fi qawa'im hurra ou là, des partis, etc. Et donc, ils n'ont pas à s'immiscer dans nos affaires. Et pourquoi pourquoi le Parti des travailleurs? Donc, là, la question, elle se trouve posée. Elle se trouve posée, les analystes, les journalistes, tous, ils se posent la même question. Et Houma, ils disent que c'est en rapport avec les législatives. Les organisateurs de cette rencontre, de ce ramassis, Hada, ils disent que, voilà, c'est parce que la position TLPT sur les législatives... Mais d'abord, nous ne sommes pas le seul parti à avoir décidé de ne pas participer aux législatives. Il y en a plusieurs maintenant, d'accord ? Et en plus, c'est quand même terrible d'en arriver là. Un parti qui décide de participer, on peut le sanctionner avec la fraude, et il peut y avoir une campagne que... parce que, regarde, dans le cas, la question qui vient d'être posée, hein, la participation sous l'égide de Bouteflika, est-ce que ce n'est pas une légitimation? Oudorka, si on participe, c'est une légitimation, ce n'est pas une légitimation, c'est quoi? C'est la même chose, d'accord? On est un parti souverain, ce ne sont pas les considérants politiques interna. On ne part pas de ça, on ne part pas de ça. Nous, on part des intérêts du pays. Nous, on a peur. Dépose une plainte dans la Pardon, Nzid Nsharachouya, c'est important. Ouais. Nous, on a très peur pour notre pays. L'haq, ça dépasse le PT. Ok, en réalité, je ne veux pas Hadouma, Hadou, les individus Hadou, et Bandoum, c'est la qualité khlas d'intervenir dans les affaires du parti. Hadouma, je ne veux pas leur accorder plus d'importance qu'ils n'ont fait. Mais le règlement intérieur, oui, ils ne sont pas dans le parti. J'ai vous-même des militants d'autres partis. Des militants d'autres partis, c'est une opération extérieure au parti, complètement extérieure. C'est comme si, aujourd'hui, quelqu'un va ramasser 50 ou 100 personnes dans une salle et il va dire « Je me proclame président de la République » à la place de Abdelmajid Tebboune. C'est comme ça, comme fait l'administration US, avec le Venezuela, avec Chavez, puis avec Maduro, dérouler les coups d'État. Tu as les présidents qui veulent résister, qui sont populaires, qui ont une base, etc. Donc, le Parti des travailleurs, c'est un parti des instances. Le Congrès a élu une direction en 2018. Le ministère de l'Intérieur atteint la conformité. Nous avons les documents officiels. Nous sommes un parti légaliste, un parti d'institution. Comité central, qui est un secrétaire général, le Congrès m'a élu aussi. Je suis doublement élu par et le Comité central et le Congrès. Et c'est une première fois. C'est une hagda. Le Congrès a décidé, cette fois-ci, de confirmer la décision du Comité central sur place. Le comité central a eu lieu à un bureau politique. Après, le bureau politique a délégué un secrétariat, d'accord, un secrétariat permanent qui se trouve à Alger, c'est normal. Tous les partis ont un secrétariat permanent qui suit tous les jours les affaires du parti. Houma, Khalek Hadouma, des extérieurs au parti, ils enlèvent la secrétaire générale et le secrétariat. Pourquoi? Pourquoi? Wallahi, si je ne voulais pas une kabbar l'msel, d'accord. Si je voulais pas que Barha, je tirerais une conclusion très très grave, parce que je mettrais ça sous le truc peut-être le racisme ou le régionalisme ou là je sais pas quoi, parce que le secrétariat il est composé de membres fondateurs du parti, la continuité, et ce sont des jeunes.
en majorité qui étaient dans, déjà dans la clandestinité dans l'OST. Ils étaient étudiants, d'accord ? Et pour quatre Menhom, le cinquième, il a adhéré au parti en 1992, c'est-à-dire la tragédie nationale. Bon, ce sont des responsables qui sont reconnus par le parti, qui ont traversé tous les problèmes, tous les crises. En 2019, c'est eux qui ont sauvé le parti, c'est-à-dire ils ont permis à tous les cadres et à tous les militants de résister. Et en 2016 aussi, ils sont la locomotive en quelque sorte. D'accord. Et Hadouma, il leur tape dessus. Hadouma, et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voler le Parti des Travailleurs pour leur transformer en un marchepied pour les élections. Wesh, parce que le sigle du Parti des Travailleurs, il est bien. Ando Rassid, Ando un bilan, Ando une histoire, Ando etc. Et en réalité, s'ils le pouvaient, ils demanderaient à l'Uzahnoun de leur faire la campagne électorale. Aussi, les élections. Ils veulent casser le parti des travailleurs des origines. Voilà. Ils veulent casser le parti des luttes et des résistances pour le transformer en machine électorale. Alors, le parti des travailleurs, le secrétariat, il a déjà riposté, il a déjà organisé la défense du parti avec l'accord des membres du bureau politique et du comité central. Le comité central, qui est la direction responsable entre deux congrès, va se réunir incessamment là, va se réunir pour discuter de la situation et prendre toutes les mesures et décisions idoines. D'accord ? Nous défendrons notre parti contre Hadia, ce ramassis, la clique Hadia, la clique à laquelle je ne veux pas accorder plus d'importance. Alors, je clarifie encore aujourd'hui, non, je n'ai pas le droit, même en tant que secrétaire général, je n'ai pas le droit d'annoncer aujourd'hui, avec tout l'amour et tout le respect que je porte à Berber Télévision, je n'ai pas le droit d'anticiper sur les décisions dans le comité central, parce que moi, je suis une dirigeante qui respecte les instances, d'accord ? Mm-hmm. Je suis la secrétaire générale élue démocratiquement, le comité central élu démocratiquement, parce que nous avons la légitimité et la loi de notre côté. Il va se réunir. En réalité, il va se réunir dès demain, le comité central, et nous prendrons toutes les décisions nécessaires. Mais d'ores et déjà, nos avocats nous ont tous appelés, d'autres avocats amis, d'autres avocats, parce que je crois que jamais l'histoire du pays et du parti, ni en 2016, ni en 2019, nous n'avons eu une telle vague de soutien et de solidarité. C'est fabuleux. C'est-à-dire, ça dépasse de très loin la question du parti des travailleurs. Tout le monde l'a compris. Tout là, moi, j'ai eu une vague de solidarité, pas seulement de citoyens lambda qui n'acceptent pas, de militantes féministes, de militantes de femmes, tout simplement, qui disent « non, c'est un repère ». Parce qu'ils ont compris que quelque part, il y a des gens qui veulent détruire les repères, ils veulent détruire le multipartisme. Donc, si on défense du multipartisme, d'accord, Hadouma, ils n'ont pas la qualité, ce sont des extérieurs, c'est un ramassis de personnes qui veulent avoir des sièges, tout simplement, qui ont offert leur service. Peut-être qu'ils ont tout simplement, Hadouma, les organisateurs, ils ont offert le service à quelques personnes, à quelques... أمشي تواليف مثل ويزا حنون ذاين سوز مونسيف في بويكوت تيم ليزليكسيون دو 2 جوان 2021 دا فوز افي ان غروند اكسبيريونس في لابيان أمشي توالي لابيان ادي لينتورا 2021 دونك جو ريبيت كفاريخ دامن ا ديسيدي دو نو با بارتيسيبي على خاطر في البويكوت il y a deux possibilités dans le boycott. Par exemple, si on dit en arabe al-muqata'a, ça veut dire le boycott. Voilà. C'est-à-dire, soit, je vais muqata'a Berber Télévision, je ne viens pas, allez. Je suis invité, je ne viens pas. Mais je peux aussi protester, etc., faire des choses. Moi, j'ai expliqué que nous avons confiance dans les capacités du peuple algérien. C'est lui qui définira les formes de l'expression ta'ou par rapport à ce scrutin. Et on respectera. Nous, les tuteurs du peuple algérien, jamais, comme nous n'avons jamais... La nouvelle APN, si les élections ont lieu. Moi, j'ai fait une déclaration et j'ai dit, est-ce que le moment, c'est pas d'avoir... de faire tout
pour empêcher l'irrémédiable. Est-ce que Malazemch, les partis, tous les acteurs, toutes les parties, et même Solta, etc., agir pour empêcher le chaos dans notre pays. Nous, nous avons très très peur de ce scrutin. J'ai parlé de 1991, de décembre, ok ? C'était une question politique, idéologique. Mais là, fiha la pas du gain, fiha darahem, fiha les privilèges, mais dans une situation sociale désastreuse, le chômage t'a les jeunes. Quand on fait miroiter à des jeunes, donc des privilèges, qu'aldir ou des listes indépendantes, ou doulat mouel, doulat sa'ad, tout est gratuit, etc. Vous aurez la priorité, vous aurez ceci. Et en plus, le multipartisme est en danger. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde, une assemblée, dans les pays qui se respectent, hein, les pays démocratiques, une assemblée siège dedans des militants politiques pour faire de la politique, pour débattre de la politique, de programmes et de lois qui sont fondés sur des politiques, t'as le gouvernement. On fait pas une foire, on ramène pas des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique. Après, ça devient une assemblée, je sais pas, moi je j'arrive même pas à imaginer. Moi j'ai peur, nous avons peur. Les raisons essentielles et majeures qui nous ont poussé à dire non. Nous mais avons peur. La PNA, Dan, il a un échec. C'est pas un échec. Si c'était qu'un échec, ma'alish. Sauf en 97-2002, il y a eu un mandat. C'était la fraude, c'était la violence, les élections, mais c'était des programmes politiques. D'accord ? Tu as le pouvoir ou tu as l'opposition, les islamistes, les démocrates, les socialistes, l'FFS, etc. Le FLN, c'était à l'époque, hein, encore, Tamehri, ils étaient là, etc. C'était des débats politiques, sérieux, on se bagarrait. Et quelquefois, on votait ensemble. On a réussi ensemble à faire reculer le gouvernement. On avait 4 sièges. Et on a réussi à arracher des votes, même à l'FLN et le RND. Mais à partir de 2002, la décadence a commencé. La régression a commencé. En 2007, c'était la décomposition. C'était l'argent sale, les trèfles, les élections. En 2012, ça a explosé. Khlas, ce n'était plus une assemblée. En 2017, c'est devenu une monstruosité. Wachra il khruj en 2021. Parce que c'est le même système. On n'a pas changé de système. On n'a même pas changé de régime. On a juste changé les personnes, le pouvoir. Et moi, je répète, avec toutes les bonnes intentions de la terre, aucun responsable, fût-il le président de la République, ne peut modifier la situation. Al-Khatar, c'est le même cadre, c'est le même environnement, ce sont les mêmes politiques, les mêmes pratiques. Chouf, le Parti des travailleurs, il a été victime du pouvoir de Bouteflika. Après, il a été victime en 2019 du pouvoir de Gaït Salah, parce que c'est lui qui a gouverné. Hattel, les présidentielles, c'est lui qui a gouverné, ouvertement, tout le monde le sait. C'est lui qui a gouverné, il m'a mis en prison. Après, harsh ala al-hizb, il a trouvé malheureusement, etc. Aujourd'hui, malheureusement, j'espère qu'il s'agit dans cette offensive que de Hadouma, les individus, voilà, qui ont offert leur service et qu'ils s'agitent pour avoir des sièges, pour être cooptés. Pour avoir un quota, parce qu'ils disent aux militants, nous aurons un quota. Mais là, nous avons peur pour notre pays. Là, c'est notre pays d'abord. Tamour d'abord. Le parti des travailleurs, un parti, ça peut se reconstruire. Nous avons reconstruit plusieurs fois notre parti. Et à la limite, nous pouvons refonder un parti. D'accord. أي غادي كيمكس ديفوندين خالد التومي غاس كامل صدرت ديال الديكلاراسيون انم قيمتي بنا حرج شي سلافان تقرب شطه سنت مسال هاك مسا لويزا حنون ازو مره كنت في اليوم سحري شي سلافان تزولت سيميلي سمي الفم دي في داكي في الزرن بير بالتلفزيون تقرب الشوال فوم سلاي في مغناسن وكذا كل استوديو نشغال دي سموث وكافي لي تزانا كان سموث الجزائر تبدأ في فرنسا اليوم نستمر عليه نسكنوي أبد صغار فيلم ثيمسال مازال غورنا مسا لويزا حنون في حريش مزوارو في حريش ويسين ثيو تبوس عجير نولد سمر عليه الناس فين استولي في حريش مزوارو يلد أول غافين يشد نوك أمو السونة ثيرة ولكن السماء نتساف في حريش ويسين يلد أول غا ثيمسال تبس خف من وسنجين يدان سن صفر في فبراير
ميدلا ميدلا كيف لا ثافي فريد ميدلا يوسن تملي لي ساكني غاف سكسن اشاف اي غار لحسا شد الناس ناكي خاطر نكوني نناد اونت كارا في فران نقيا نفناش جوان ادي تدون فوق حريش وسلاثا مساء الوزا حنون المسلية في حالة نتسارتي ثمورثن الجزائر من مسلية تزورا مس عبد المجيد تبوني مسليد ايفلي نتي لزري نتمور سن الجزائر فين دي شدنا لا ناسيوناليتي سن قاعد داني نك قان كسا ناسيوناليتي و جافوك قلتلان برا نتمور الجزائر قلتلان في فرنسا لا في امريكان و قال لي قد شن دي سيرتيس صغورين لا ليكتورين ما غاف مسلتك لو ريتريت على لي زاماندمون تاع على قانون الجنسيه على لوا سور لا ناسيوناليتي احنا في اكبر خدامن on organise des luttes, on participe aux luttes, aux mobilisations, et lorsque on arrache des victoires, lorsqu'il y a des victoires, eh bien, on salue les victoires à Douma. Pour nous, c'est très positif que le président Boun annonce le retrait du projet d'amendement de la loi portant à la nationalité, parce que c'était une dérive grave, une dérive grave. Retirer la nationalité d'origine à des Algériens qui vivent à l'étranger parce qu'ils ont exprimé des points de vue ou ce sont des activistes, ça ce n'est pas possible. Et à juste raison. Donc dire généraliser comme ça, c'est extrêmement dangereux. En fait, c'est une victoire à la mobilisation. Il y a eu une mobilisation extraordinaire contre la dérive. Et donc le fait qu'il y ait le retrait, cela démontre qu'on peut arracher des victoires et que, d'accord, on milite pour, on se bat pour le départ du système, on se bat pour la démocratie, mais on arrache des victoires, on milite pour arracher des victoires. Par exemple, donc ça sur le terrain de la démocratie, c'est très important, d'accord, la libération de détenus, d'accord. Donc la lutte est payante. Ça prouve que la lutte est payante malgré les difficultés de la situation. Nous avons parlé, moi j'ai parlé il y a une dizaine de jours, de la suppression du marché de troc à Tamanrasset. Des dizaines de milliers de familles, parce que là-bas il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien, vivent de cela. Des deux côtés de la frontière. Frontière étant fermée, c'était un désastre. Un désastre. C'est-à-dire des familles qui ne trouvent plus de source de revenus. Eh bien, la décision a été prise de rétablir le marché de troc à Tamarast. Ben, moi, je trouve que ça va soulager des dizaines de milliers de familles, d'accord, pour qu'elles puissent respirer, pour qu'elles puissent manger. Et les détenus qui ont été libérés, ça, c'est la preuve qu'il faut qu'on continue à se battre pour la libération de tous les détenus, pour l'arrêt de la répression et toutes les mobilisations, elles doivent avoir un objectif clair et ne pas lâcher jusqu'à arracher des victoires. Donc c'est important de notre point de vue, c'est quelque chose d'important parce que c'était trop injuste. Donc par rapport à la question sur la loi sur la nationalité, c'est ça. Mais là, le message est assez clair. Il est de voir Raf Mseltagi. On peut le dire vraiment d'une façon Raf Mseltagi. Tumours en Algérie. Abdel Majid Tebboune évolue. Mais le message vidéo TV Tumours en Algérie. Il n'est qu'à faire un retour à les élections de juin. Mais ça, Louise, nous avons parti avec Averen. Vous avez dit que vous souhaitez faire une mention de boycotter les élections. فشو فري فشو لا في دور تقلق انا مكايلي لو كونسنسوس ام كيتمو بالجزائر سيغت فار فير اون فري ترانزيسيون ديموكراتيك فشو لا سوليسيون ام سيرو زحنا لو كونسنسوس سي لا نيغاسيون دو لا ديموكراسي لو كونسنسوس سا فو دير اون سي ديسو دوبو ددان سا فو دير شاكان دو فير تيلمون دو كونسيسيون سو كوفير دونيتي اكسيتيرا دو كونسنسوس que finalement, on perd tous nos principes. On perd tous nos principes et notre identité politique. Pourquoi hein? Parce que la démocratie, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre. L'ihtikam al-hur. Ça veut dire, chacun choisit ce qu'il veut. Aller aux élections,
ne pas aller aux élections, choisir être le programme, choisir un autre programme, ça veut dire que c'est le droit de disposer de nous-mêmes. Chacun dispose de sa personne, de sa conscience, de ses choix. Transition démocratique. Non, on va y aller. Nous sommes dans un processus révolutionnaire. Mm-hmm. Nous ne sommes pas dans une situation normale. D'accord ? Il y a des mobilisations diverses. Le vendredi, le mardi, encore la répression, malheureusement. Il y a des manœuvres. On ne réprime pas à Alger, mais on réprime à Tizi Ouzou, à Oran, à Tiéret, etc. Il y a une confusion et on le voit tous les jours. Mais en même temps, il y a des grèves, il y a des mobilisations, c'est-à-dire les ressorts de la nation, même s'ils ont été rouillés, même s'ils ont été vraiment atteints, mais ils ne sont pas brisés. Il y a une volonté de changer les choses, de vivre, la majorité veut vivre dans la dignité, dans la démocratie. Bon, et donc ça veut dire qu'il faut changer, ce système doit partir, il faut changer les politiques qui sont à l'origine de la misère, de la détresse, des atteintes aux libertés. Il faut changer le cadre institutionnel, politique, constitutionnel. Notre position, elle est connue, d'accord ? Nous ne sommes pas hégémoniques, hégémonistes, d'accord ? Et nous ne sommes pas fétichistes non plus, manesh wathaniyin, c'est-à-dire man abdouche quelque chose. À l'Assemblée constituante, non. Pour nous, c'est la souveraineté du peuple. La parole au peuple. On ouvre un débat sans restriction, sans exclusion, que tout le monde puisse s'exprimer. Donc la liberté de presse, toute la presse, publique, privée. Mais on a la chape de plomb à les médias, d'accord ? Et c'est d'ailleurs avec ça, avec le débat sur les programmes et les idées, que tous les points de vue ibenou et les aventuriers ibenou. S'il y a un courant dangereux, il baigne, parce qu'il est obligé de se présenter, il est obligé de s'exprimer. C'est dans la clarté et la clarification qu'on peut avancer dans la recherche de la solution. Donc un débat, maintenant on pense qu'il faut que les citoyens se réunissent dans des comités d'unité d'action populaire, ils discutent dans les communes, ils dégagent leurs représentants. Il faut que tkoun la jonction. C'est-à-dire la jonction, talari, entre les questions politiques et les questions socio-économiques et culturelles. On ne peut pas, je répète, on ne peut pas nous dire on va d'abord parler de politique et après on va parler d'autre chose qui est roh nidam. Moi je ne sais pas quand il va partir ce nidam. Mais les baliches, dans un mois, dans un an, dans deux ans, c'est un processus. La révolution est un processus, la politique est un processus. Mmh. Donc, moi, dans l'intervalle, je veux que les gens mangent, il n'y a que l'eau. Je veux que les gens vivent dans la dignité, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent débattre de la politique. Moi, je ne peux pas aller dire aux gens, c'est nul pour les élections législatives, alors qu'il n'a pas reçu son salaire, qu'il ne peut pas acheter de doigts, qu'il ne peut pas acheter le pain, que le prix du pain, que le prix de tout flambe. La nourriture flambe, que la spéculation a atteint un point extraordinaire, que la spéculation, c'est le problème d'un gouvernement. C'est le problème du président de la République. C'est eux qui ont les instruments, qui doivent dégager les instruments pour la combattre. Ce sont les institutions qui sont responsables et comptables de cela. D'accord ? Il y a le processus révolutionnaire qui est en marche. Mmh. Lorsque les marches se sont arrêtées pour un temps, parce que ça a été entravé, eh bien, il y a eu d'autres formes d'expression. Et les processus révolutionnaires qui ont été détournés, comme en Tunisie ou en Égypte, ça a été la catastrophe. Mais ils ne sont pas morts. Ils reprennent comme le lit d'un oued, d'un fleuve. D'accord. Alors pour nous, les citoyens mandatent leurs représentants sur le plan local, wilayal. La méthode, ils se réunissent. Ils se réunissent, ça a commencé en 2019. C'est pour ça que celui qui a pris le pouvoir après la démission de Bouteflika a stoppé. Comment ? Eh bien, vous aviez par exemple Square Sofia devant Alger, devant le théâtre à l'intérieur de Kda, sur d'autres places, à Tizi Ouzou, partout, les radios, etc. Il y avait des débats ouverts. Mm-hmm. Il y avait des étudiants qui avaient mis en place des réseaux, des collectifs. C'était des dizaines de milliers d'étudiants qui discutaient. Mm-hmm. Le débat s'est ouvert dans les usines, il s'est ouvert dans les administrations, dans les hôpitaux, dans les lycées, donc partout. Il y a eu une dynamique révolutionnaire qui était en train de prendre. C'est ça qui a fait peur au système, au pouvoir qui s'est mis en place après la démission de Bouteflika. Il fallait stopper net cela. Il y a des réunions, ils dégagent des plateformes, des cahiers de revendications. C'est-à-dire les questions politiques, socio-économiques. Politique, c'est quoi ?
quelle est la nature du régime conforme à nos aspirations. Nous sommes l'Algérie, nous avons une histoire, nous avons une identité. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans la Constitution? Mais qu'est-ce qu'on doit mettre aussi sur les questions sociales inaliénable. Il y a différentes visions. Il y a une idéologie. Il y a une idéologie islamique, il y a une idéologie madanie, il y a une idéologie allemande. C'est la même chose que l'idéologie madanie. C'est la même chose. L'idéologie madanie, c'est la même chose que l'allemande. Il y a ceux qui disent. Il y a une idéologie rachide, il y a une idéologie islamique. L'idéologie rachide, c'est une conception de la Banque mondiale. Et le FMI, ce n'est pas de la politique. C'est une recette pour faire passer la pilule à le plan d'ajustement structurel. Quand on impose la dette extérieure et qu'on veut piller un pays et le détruire. Donc le Hukm al-Rashid Hadi, ça veut dire, la bonne gouvernance, ça veut dire la société civile, les ONG, participent dans la prise de décision avec l'exécutif et les élus du peuple. Et ça veut dire qu'il n'y a plus en réalité de démocratie politique. D'accord ? Donc, ceux qui disent, moi j'entends les slogans, Daoula Madaniya Mashi Askaria. Oui, mais Mashi Diniya non plus. D'accord ? Au début, c'était Daoula Démocratia Madaniya. Mashi Askaria, Mashi Diniya. Démocratia, ça suffit. Jazair Hurra Démocratia. Jazair Hurra Démocratia. C'était le slogan qui unifiait Nesikul. Kamel Torab Lwatani. Après, on a bien vu que le slogan Hadek, Daoula Madaniya Mashi Askaria, ça veut dire Diniya, ça peut être Diniya. Non. Daoula al-Madaniya, elle ne peut pas être Diniya, civile. Elle a les droits des femmes, on dit des lois civiles égalitaires. Qawanin Madaniya. Et comment rassemblez-vous? On rassemble. J'ouvre, le peuple algérien, il a payé très cher durant la décennie noire ou rouge ou la Smouha Kimehbou. On a déjà donné. Et le peuple algérien, il regarde ce qui se passe autour de lui. Il ne veut pas la dislocation de ce pays, il ne veut pas d'un État totalitaire, ni militaire, ni religieux. Il veut vivre dans la démocratie. Les millions qui se sont soulevés en février 2019, c'est pour vivre dans la paix, dans la dignité, dans la démocratie. Dans la démocratie, c'est la refondation politique, institutionnelle, constitutionnelle, nationale, mais c'est-à-dire asseoir la démocratie. Ça veut dire qu'ils définissent eux-mêmes la forme et le contenu social, démocratique, économique et culturel des institutions dont le peuple a besoin pour exercer sa souveraineté. D'accord ? Les questions qui ont été évacuées après l'indépendance, elles ressurgissent. Et de la révolution, le 22 février 2019, c'est la continuité de la révolution de novembre 54. C'est l'actualité de cette révolution-là. Et les questions sociales, économiques qui sont posées, les questions de l'égalité en droit, les questions, le contenu de cette deuxième révolution, c'est l'actualité. C'est l'actualité de cette même révolution. Donc toutes les questions qui étaient passées à la trappe au nom de l'unité, comme on nous a fait en 54, au nom de l'unité, encore là, non. Aujourd'hui, tout doit être posé. Ça veut dire que les démocrates, ça veut dire que les partis démocratiques, et ceux qui nous disent pas d'idéologie, ça veut dire pas de parti. Kalouna, pas de parti. Qu'est-ce que c'est que cette révolution? Qu'est-ce que c'est que cette société qui n'est pas organisée dans des partis, dans des syndicats? Nous, on pense que les syndicats ont un rôle majeur à jouer. Les comités d'unité d'action pour débattre. Mais les démocrates, ils sont là-dedans, dans ces comités. Ils doivent s'investir, ils doivent débattre. Et celui qui dit « Daoula Islamia », débattons-en. Qu'est-ce que c'est Daoula Islamia? Vous savez, en Iran, la révolution, elle n'était pas islamique au départ. Avant Khomeini. Elle était ouvrière. C'était la classe ouvrière. C'était les travailleurs du pétrole qui étaient montés à l'avant-garde, quoi, et qui, dans la grève générale, entraînant avec eux l'ensemble des couches de la société. Et c'est à ce moment-là qu'est rentré Khomeini de France. Et après, bon, mais ça arrangeait bien à ce moment-là, parce que ça arrangeait bien, y compris les pays limitrophes, etc., les Émirats du Golfe, qui avaient très peur d'une révolution authentique, d'accord ? Moi, je n'interfère pas dans les affaires du peuple iranien. Pardon, je respecte le peuple iranien et je défends l'Iran contre les agressions américaines ou européennes. D'accord ? Parce que c'est le peuple iranien qui doit décider de son sort. Mais je veux juste rappeler et dire, un peuple, il apprend
de ses propres expériences et des expériences des autres peuples. Mmh. D'accord ? Le peuple algérien, il ne veut devenir ni la Syrie, ni la Libye, ni ce qui s'est passé en Égypte, et pas même payer le prix des travailleurs et le peuple tunisien, dont la révolution a été confisquée. Notre révolution de février 2019, elle a été entravée. Parce qu'il y a eu aussi des interférences étrangères. Loukanjet, les pays du Golfe, ils le pouvaient, ils étrangleraient totalement. Donc nous, on dit, cette révolution, elle est authentique. C'est la raison pour laquelle on explique le moins qu'on puisse dire, Kingoul ou Hirak, dire qu'il est révolutionnaire. Ce n'est pas un simple Hirak. Deuxièmement, aide les comités d'unité d'action. C'est dans la diversité. Et qu'on vienne débattre, mais dans les médias, on ouvre les plateaux. Moi, j'ai dit, nous n'avons pas peur. Les démocrates, eh bien, ils doivent se montrer, ils doivent s'investir. Et les femmes algériennes, quoi, elles voudraient toutes être enfermées, les femmes algériennes ne plus travailler, elles voudraient devenir des esclaves, elles voudraient subir le harcèlement, les féminicides, elles voudraient être enterrées vivantes, revenir les jahiliya. Non. Les femmes algériennes qui occupent tous les espaces, elles veulent l'égalité en droit, d'accord ? Et le débat sur la religion doit avoir lieu. Un État dans lequel l'armée, c'est-à-dire l'aspiration, c'est un État démocratique, c'est le politique, la primauté au politique. Nous revenons à la révolution algérienne. Nous revenons, bien sûr, à 1954, au congrès de l'Assoumant. Les problèmes qui n'ont pas été réglés, les problèmes qui sont restés en suspens, aujourd'hui, eh ben, ils ressurgissent. C'est un État démocratique, ça veut dire que c'est le militaire qui a la primauté, le civil, le politique. Le militaire, il a sa mission, il a sa fonction, il n'interfère pas dans le politique. Le ministre de la Défense, eh ben, ça peut être un politique, tout simplement. C'est un ministre politique. Aujourd'hui, c'est le président de la République, c'est la nature du régime depuis l'indépendance. D'accord ? C'est la nature du système et du régime, il n'a pas changé. Et il y a des réunions, des rassemblements, alors ils écrivent, ils débattent. Le débat, c'est très important, ça amène la décantation et donc ressortent bien sûr les questions qui vont faire... Là, à ce moment-là, on peut parler de consensus. Ils vont se mettre d'accord sur les dénominateurs communs, ce qu'on appelle, Hagda, dans d'autres pays, les conditions du vivre ensemble. C'est-à-dire, tu as la démocratie, tu as les questions sociales, économiques, les nationalisations. Parce que pour nous, on ne va pas nous faire le coup après octobre 88. Hein. Qu'est-ce qu'on nous avait dit ? Darouna, une constitution qui était très bien. Hein. Elle était bien, la constitution de 89, par rapport à celle du parti unique. Elle est bien meilleure que celle de 96, meilleure que toutes les autres constitutions, bien sûr que l'actuelle, parce que c'était une constitution très courte. Bon, Khajnam est le parti unique, en apparence, l'armée ne siégeait plus dans le comité central du FLN, il n'y avait plus le parti unique qui dominait, il y avait une seule assemblée, donc un système monocaméral. Pourquoi deux chambres du Parlement ? Pourquoi faire ? C'est une seule, voilà. Maintenant, on est pour le régime parlementaire. Nous, et on a les arguments. On a les arguments politiques pour convaincre. Parce que Kaini Kolouna, nous sommes un pays arriéré, nous sommes le peuple algérien, il a besoin d'un guide, il a besoin... Amir al-Mu'minin ? Non. Le peuple algérien, c'est un peuple qui s'est organisé dans les partis depuis le siècle dernier, le début des années 20, 1920. Il a commencé à s'organiser. L'histoire de Tejmat, 1800... Oui, c'est des formes d'organisation. Exact. Et c'est d'autres... C'est des formes de la démocratie. Dans la démocratie populaire. Karl Marx, il était venu en Algérie. Oui, il était venu en Algérie, s'est fait soigner, tout ça. Voilà, exactement. Donc, voilà, on a lu des choses fabuleuses qui ont été écrites par Marx, par Lénine et par d'autres dirigeants à l'époque, quoi. Des révolutionnaires, à la révolution russe. Sur l'Algérie, sur ce qui se passait en Algérie sous la colonisation, déjà. Hein, la révolution de 1871. Oui, 1871, et qui coïncidait avec la Commune de Paris et l'écrasement de la Commune de Paris. Mmh. Et c'est comme ça que Louise Michel a rencontré les dirigeants, les résistants, bien sûr, en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Et après, dès son retour en Algérie, elle est venue ici, elle est allée à Tizi Ouzou. Mmh. Elle a fait une conférence, elle a fait des conférences un peu partout. Malheureusement, juste après, elle est morte. Mais voilà, c'est notre histoire.
C'est, ce sont des débats qu'il faut ouvrir. Mm-hmm. Bon, mais maintenant, on a bien sûr... la politique, c'est aussi l'art de hiérarchiser. Mais quand on ouvre des débats, on revient à l'histoire. C'est important. Qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Nous avons un passé fabuleux. Fabuleux. Et nous avons besoin de nous ressourcer dans ce passé pour nous projeter dans l'avenir. Donc nous pouvons, effectivement, et après aller, les comités, on va déléguer vers les wilayas. Des assemblées de wilaya, assemblées de communes, assemblées de wilaya, après vers l'Assemblée nationale. Mais ce mouhèche constituante, ici ils ne le veulent pas. Ce mouhèche ce qu'ils veulent, les assises. Et ce mouhèche la convention nationale, et ce mouhèche, comme la Révolution française, ou la convention. Mais je ne suis pas fétichiste. On cherche. Quelles sont les formes d'organisation les plus appropriées, puisque nous avons eu déjà par le passé, effectivement, les comités de village, etc., etc. Et donc, combiner les choses, et les représentants du peuple, dûment mandatés, eh bien, ils vont débattre de la nature du régime à mettre en place. Mais ils peuvent élire un exécutif. Ils élisent un exécutif qui va... Hugo Chavez, il l'a fait. Il était élu président, il a restitué la parole au peuple. Allez, on peut pas le faire. Tarf Belli au Chili. Chaque pays a son histoire, ses formes de combat. Mais est-ce qu'on va élire les politiques? Non, on va élire les populistes. Non, on va élire non, qui non, non, non. Non, on va élire des personnes mandatées, mais avec un mandat révocable. Ah, la différence. Khalina n'a tel qu'un exemple actuel. Un exemple actuel. On a un ami qui est le secrétaire général de la Fédération des banques au Chili, des banques publiques que Shakib Khalil a dénationalisé, il a tout liquidé au nom du FMI, comme il a voulu massacrer son pays, l'Algérie, totalement. Alors, le secrétaire général, il y a tout un processus pour l'Assemblée constituante, ils ont enlevé... tous les vestiges de Pinochet, mais il y a quand même le système Mazelfi-Chouya, donc une bataille extraordinaire. C'est différent de chez nous, mais c'est passionnant de suivre. Eh bien, Luis Messina Hada, il a été mandaté par la Fédération des banques. Kaloulou, tu vas nous représenter la constituante. J'ai lu le mandat. Le mandat, il concerne les travailleurs des banques. Il concerne les conventions collectives, il concerne leur salaire, les acquis, etc., la protection sociale, le système c'est-à-dire le système de protection sociale universelle, donc basé sur la solidarité. Il concerne le rôle des banques dans la société chilienne, dans l'économie chilienne. Au Mektoub, en bas, c'est un mandat révocable et Luis Messina doit venir au moins une fois par mois dans une assemblée ici, devant les travailleurs pour nous rendre compte de ce qu'il fait. C'est pas, il va, moi je vais le mandater, on va le mandater, on va dire c'est mancipe ou là comme font les députés actuels ou là de, tout à l'heure on a discuté de ça. À partir de 97 déjà, surtout qu'il y avait plus de couverture médiatique, la télévision ou là en direct n'était plus, les débats n'étaient plus en direct, les députés dirouchebou, ils votent et c'est devenu vraiment une horreur, une machine à détruire le pays. D'accord. Donc maintenant c'est comment on va casser avec tout ça, comment on va rompre avec tout ça. C'est ce débat qui va avoir lieu. Peut-être que d'autres ont des propositions qui sont meilleures. Nous sommes prêts à débattre de toutes les propositions. Il ne faut pas utiliser le mot transition. Allez, c'est un crime. Pourquoi criminaliser le mot transition? La transition démocratique. L'Assemblée constituante est une transition. Monsieur Tebboune a parlé de transition. Monsieur Macron a dit je suis pour une transition avec Monsieur Tebboune, avec Abdelmajid Tebboune. Halal Ali haram alina. Pourquoi? Dès lors qu'il est question de sortir Abdelmajid Tebboune, il n'y a pas longtemps encore, il y a quelques jours, il a dit il faut qu'on s'oriente vers la rupture avec le système. La rupture avec le système, ça veut dire on est en période de transition. Donc en période de transition. Il a le droit de dire ça. Moi, j'ai le droit aussi. Je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on aille avec la rupture avec le système. Mais il faut qu'on définisse le contenu du système. Qu'est-ce que le système? Comment on rompt? Et qui doit rompre? Qui? C'est le peuple qui opère la rupture par l'exercice de sa souveraineté. Ça, c'est une forme. Là, on voit comme ça. Maintenant, nous ne sommes pas figés. Nous ne sommes pas figés. Hugo Chavez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été élu contre l'oligarchie, contre l'Américaine qui voulait lui faire des putschs, qui voulait le tuer. Ils ont tout fait. Comme ils ont enlevé Dilma Rousseff, comme ils ont fait des coups d'État un peu partout. Eh bien, ouais, il a restitué la parole au peuple. Il a restitué la parole au peuple tout de suite. C'est ce que j'aurais fait, moi.
Je restitue la parole au peuple. Sidi Lareb, on a commencé par des élections présidentielles. Moi, j'aurais restitué la parole au peuple pour être conforme avec mes engagements, la rupture. Ce n'est pas moi qui l'opère wahdi. Un homme wahdo, jamais il peut, dans un système, opérer la rupture. Donc, je n'ai pas peur du peuple. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en ses capacités. Et je sais que ce peuple, le peuple algérien, il va défendre la souveraineté du pays. Il l'a démontré dès le 22 février. Il va défendre l'intégrité du pays. Il va défendre l'unité du pays. Il permettra jamais le chaos dans ce pays. Et donc Chavez, il a donné la parole au peuple dans une constituante. Et il est allé à un référendum révocatoire. Il n'a pas eu peur parce que hâte la constitution que le peuple, il a le droit d'aller à mi-mandat, finance le mandat pour révoquer le président. Par exemple, l'opposition, Léo Mahna, l'opposition, Gel, non, ça ne marche pas dans le pays, on veut un référendum révocatoire. Eh bien, si on a la possibilité, Ndero, et le président, il sort vainqueur, eh bien, Mbarouk Ali, ça veut dire qu'il a la base populaire. Donc, ça veut dire qu'on peut élire aussi des constituants, on peut élire dans des listes, les travailleurs ont leurs représentants. Kima au Chili, les paysans comme leurs représentants, les commerçants, les... Mais comment vous organisez tout ça? Ça, c'est le produit d'une discussion, d'un débat public, sérieux, responsable, d'accord? Hichel Koufi, les partis, les militants, ce moment, les activistes, ou l'ACDA, etc. Et on avance ensemble, puisqu'on est tous mus. La place des intellectuels. Et comment? Et comment la place des intellectuels? Mais les intellectuels, parce qu'aujourd'hui, le régime a dit que les intellectuels, nous avons l'Assemblée, les intellectuels. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une assemblée, c'est pour les politiques. Les hommes politiques vont aller à la Kavili, la présence des hommes politiques amis. Bien sûr, les hommes politiques, les personnalités. On a une expérience avec l'Arouj, par exemple. L'Arouj, qui fait l'âme, de la fin, il y a une sécurité. Mais ça, c'est un autre débat. Non, c'est un débat qui nécessite une émission, c'est autre chose. L'Arouj, en 2001, ce n'est pas Tajmaat. Ce n'est pas Tajmaat, c'est autre chose. Ce n'est pas la forme d'organisation traditionnelle. Non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est des délégués. Non, c'est des formes d'organisation, c'était une forme d'organisation politique et ça c'est un débat politique. Revenons pas là-dessus parce que ça nécessite vraiment du temps. C'est la forme d'organisation. Non, c'est pas parce que les tajmaat c'était pour régler les problèmes de la vie, la cité, etc. Ce qui était, et pas seulement en Kabylie, hein, dans d'autres régions, moi j'en connais beaucoup, hein, les sages, les Hagda, etc. dans d'autres régions. Mais les Arouj c'est autre chose. La démocratie, non. Des délégués des villages, des comités, des la démocratie, les mafihesh, le multipartisme. Les manatarfouch fihab, le multipartisme. On ne reconnaît pas le multipartisme. On ne reconnaît pas le pluralisme politique. On ne reconnaît pas la place des syndicats. On ne reconnaît pas les associations. Ce n'est plus une démocratie, c'est autre chose. Attention, c'est autre chose. Ça, c'est un débat politique. Il avait partiellement eu lieu à cette époque-là. La preuve, c'est que c'est dépassé. Walesh, parce que c'était pas viable. Et aujourd'hui, quand on nous dit une assemblée, fiha, je ne sais pas moi, 30%, fihom des hadouma, des jeunes, sans appartenance politique. La jeunesse, ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas vrai. Ou là, qu'on vous dit des indépendants. Les indépendants, on a essayé. Jarabna, l'expérience. D'expérience. Tous les pays africains qui sont passés par là ont conclu qu'il faut arrêter. Parce que. Qu'est-ce que... Là, on a essayé. La majorité des indépendants, je dis la majorité, c'est pas tous, hein. C'est pas tous. Nordenait Hamouda, c'était un indépendant la dernière fois. Eh ben, c'était pas un oligarque, quoi. C'était pas un homme des affaires ou la Tagda. C'est un militant politique et tout. Il était sur une liste indépendante. D'accord. Des listes indépendantes, elles peuvent exister à la condition que ce soit des militants politiques, des personnalités, un chercheur, un académicien, celui qui va apporter un plus, d'accord. Mais un oligarque qui cherche l'immunité pour faire des affaires. Mais c'est la démocratie, Dan. Là. Non, ce sont les règles justement de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un fourre-tout. Ce n'est pas un magma. Il y a des règles. Alors, tu vois dans les pays où il y a la démocratie, encore. Mathilde Gèche, des hommes d'affaires installés dans les assemblées et qui peuvent créer du lobbying, qui peuvent acheter les voix, etc. Par exemple, Trump. Qui? Trump. Ah, mais Donald c'est pas Trump. Le modèle, hein. Les États-Unis, c'est pas le modèle, c'est le contraire de la démocratie. Un pays win, le peuple vote, mais c'est pas lui qui élit le président. Un candidat peut avoir la majorité populaire, mais ce sont les autres, les grands électeurs qui vont élire le président. C'est grave ça, hein. C'est grave ça. Ehna, on dit, c'est-à-dire, dans cette situation, il aurait fallu
Il aurait fallu que le débat s'ouvre sérieusement. Il s'ouvre sérieusement dans la société algérienne. Nous avons besoin de ça. Nous avons été sevrés. Nous avons été, comment dirais-je, interdits. Nous avons été, nous avons soif de débat, de véritables débats. Entre 1988 et 1991, il y avait l'ouverture. Il y avait l'UNTV, Bark. Mais elle était ouverte à tous et on débattait pendant des heures. Nous allons aller bosser dans le Sénégal, dans le Sénégal, nous allons aller dans le Sénégal. تمثال تم يرتكل تفتوى دقوه ولكن قنا يغار لا وزاح نو بوركو لا وزاح نو تديفوندي تمثال خالد التومبي ساكات تمثال يفم تديفوندي تخميني بار دي سونتيمون خاطر تم داكلتين اين مخميني نا الا قد تديفوندي اوبليجي نو 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 الوزاح نو لي بارتي دي ترافايور il combat toutes les injustices, toute forme d'injustice. Nous avons défendu des responsables qui n'ont rien à voir avec lui, avec nous, pardon, des responsables, même des ministres qui ont été victimes d'une oppression, d'un règlement de compte, parce qu'ils avaient un comportement patriotique, parce qu'ils voulaient mettre en avant des politiques au service de la nation, de l'économie nationale, parce qu'ils voulaient tenir tête à l'oligarchie prédatrice, parce qu'ils voulaient combattre la corruption, parce qu'ils voulaient combattre les dérives. Khalid Atoumi, je vais y aller. Donc, ce n'est pas seulement Khalid Atoumi, c'est notre position principielle. Nous combattons toute forme d'oppression, quelle que soit l'identité de la victime, d'accord ? Parce que cela se confond avec les intérêts du pays. Khalid Atoumi, ce n'est pas parce que c'est mon ami. Mm-hmm. Hein? Ce n'est pas parce que j'ai commencé à militer avec elle dès 1981 pour l'égalité en droit, pour les droits des femmes, après pour la démocratie, pour la liberté d'association, contre le système de parti unique, contre la fraude électorale, en défense de la République, etc., pour le sauvetage du pays. Khalid Atoumi est une patriote. C'est une militante pour la démocratie. Elle n'a jamais cessé de militer. Partie des travailleurs et sa secrétaire générale défendent une militante engagée qui a continué à militer de l'intérieur des institutions. Mais la ministre, elle a opté pour ce choix. Moi, je ne l'ai pas fait. Elle a considéré qu'elle pouvait changer les choses de l'intérieur. Nous ne l'avons pas fait. Mais c'est son choix. Elle n'a pas été la seule à le faire, à l'avoir fait. D'accord ? Des partis démocratiques l'ont fait. D'accord ? Aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. C'est un choix qu'ils ont fait à un moment donné. C'était une tactique. Nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons jamais intégré aucun gouvernement. Mais Khalid Atoumi, tous les vrais patriotes, reconnaissent qu'elle a reconstruit le secteur de la culture. C'est elle qui l'a reconstruit. Elle l'a sorti du néant. C'était zéro. Elle s'est battue comme une lionne, sans arrêt. Elle a tenu tête à des premiers ministres. Elle a été sanctionnée. Et bien Khalid Atoumi, elle a été mise à pied comme si c'était une fonctionnaire parce qu'elle a tenu tête au ministre des Finances, Ben Achenou. Ouyahia lui a fait une mise à pied comme si c'était une fonctionnaire parce qu'elle était prête à se battre, y compris à coups de poing. Voilà, c'est la vérité. À coups de poing, parce qu'elle défendait le ministère le budget de la culture, Atalha zéro. Zéro budget. Et il voulait liquider, donc, y compris Timgad et Jmila. C'est pas croyable, les ruines de Timgad et de Jmila. Tout était à vendre. Et Khalid Atoumi, elle s'est battue contre les oligarques. Elle les a pas laissés pénétrer le secteur de la culture. C'est aussi en bonne partie pour ça qu'elle a été sanctionnée. Comment ? La corruption. Jamais. Elle a combattu la corruption dans son secteur. Maintenant, c'est le cadre, bien sûr, du même système. Elle a tenu tête à Bouteflika. Elle a présenté sa démission, il l'a refusée parce qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Khalid Atoumi est restée indépendante dans sa pensée, dans son fonctionnement. Khalid Atoumi, elle a payé cher son engagement politique, démocratique, patriotique. Et surtout, elle a signé avec moi et avec 17 autres personnalités nationales la lettre du G19. Et je rajoute, Khalid Atoumi, le jour de mon arrestation, le lendemain, elle a fait une déclaration incendiaire sur la chaîne Hadik Wakilal Awres TV aujourd'hui. Et elle a dénoncé celui qui a donné l'ordre de me faire arrêter. C'est-à-dire, elle a nommé, elle a pointé du doigt, cela a accéléré son arrestation. Parce que son arrestation est la mienne. Elle nous pendait au nez depuis 2015, 2016. Les tentatives d'enlèvement pour moi,
deux fois, des tentatives, une fois en 2016 et une fois en 2019. Et toujours, c'était le même responsable militaire, c'est donc l'ancien chef d'état-major, donc qui voulait me faire enlever ou autre chose, je n'en sais rien, mais à la Baliche, hein, parce que tenter de me faire enlever sur la route de Ziralda, Felkhla, et tenter de me faire enlever sur la route d'El Ibrahim, Fellil, bon, je ne sais pas trop ce qu'il voulait me réserver. D'accord ? Ou Hiya, comme elle a été, à cause de sa position, parce qu'elle n'a pas soutenu le quatrième mandat de Bouteflika. Elle n'a pas soutenu le quatrième mandat de Bouteflika. Le premier ministre de l'époque, Sillel, il lui avait fait remarquer ça, et depuis lors, elle était sur la sellette. D'accord ? Et on lui a proposé un poste à l'étranger, elle a refusé. C'est moi qui ai transmis. Je suis de la zone autonome d'Alger. Jamais, je n'irai ni en France, ni à l'UNESCO, ni rien du tout. Khalida Toumi, c'est une militante engagée. Et contrairement à ce qu'on dit, je ne suis pas la seule à la défendre. Le PT n'est pas le seul à la défendre. Moi, je connais un nombre incalculable de journalistes qui sont peinés, de personnalités, d'artistes, de dramaturges, etc. Il y a des campagnes pour sa libération qui sont menées en Algérie. Et en plus, il y a une campagne internationale mais d'enfer pour sa libération. Mais Shkoun, il y a des députés, il y a des artistes, parce qu'elle est très connue pour avoir défendu son pays. On n'a rien vu sur le terrain. Pardon ? On n'a rien vu. Ah si. Moi j'ai vu une liste interminable de personnalités. Alors là, vraiment, moi il y a une campagne internationale dans 105 pays pour ma libération. Voilà, oui. D'accord, c'était des syndicats, des partis ouvriers, etc. Wagda. Et là aussi, c'est une vague extraordinaire, je vais dire un mot là-dessus. Mais Hiya, ça fait à peine 4 jours que j'ai eu la liste, j'étais époustouflé. Une campagne d'une très grande envergure. Ça fait 16 mois sans procès. Qu'est-ce que c'est que cette injustice ? Hogara ! C'est le seul ministre leader au Fehag. C'est vraiment de la vengeance. Elle n'est pas poursuivie pour crime économique. Elle n'est même pas concernée par un délit de gestion, parce que ce n'était pas une gestionnaire. Elle occupait un poste politique. Et tout ce qu'elle a fait était dans les règles et dans les lois, dans le cadre des lois de la République. Elle a été sanctionnée dans le cadre d'une vengeance. On s'est vengé d'elle comme on s'est vengé de moi. Mais pourquoi la laisser en prison? Ils peuvent la mettre dehors et continuer le procès. 16 mois! Mais c'est incroyable! C'est incroyable! En principe, depuis 2016, la prison, c'est-à-dire par mesure préventive, ce sont des cas exceptionnels. Ce sont des cas exceptionnels. La règle générale, c'est que Hadak, celui qui est poursuivi, il reste à l'extérieur. Il peut être mis en résidence surveillée, il peut aller signer. Cette femme n'a commis aucun crime. C'est sous le règne de Gaïd Salah qu'elle a été arrêtée dans le cadre d'une cabale dont ont été victimes des dizaines et des dizaines de militants politiques, à commencer par moi, mais aussi des militaires. Certains ont été réhabilités, d'autres en cours, etc. Pourquoi Khalida Toumi n'est-elle pas réhabilitée? Pourquoi les victimes? Pourquoi des personnes arrêtées dans le cadre de cette cabale, de cette vengeance, de cette politique vraiment terrifiante qui s'est produite avant l'élection de Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi il n'y a pas de réhabilitation? Pourquoi on ne corrige pas cette dérive? C'est une dérive terrible. C'est une injustice. Alors moi, oui, je la défends. Je défends la militante. Et bien sûr, mon ami, je la défends. Mais si j'avais le moindre doute sur son innocence, je me poserais des questions. Mais je n'ai aucun doute. Son dossier est vide. Il n'y a absolument rien. Le juge qui avait ouvert son dossier, le premier juge au niveau de la Cour suprême qui a ouvert son dossier, lorsqu'il a été changé, il lui a dit « Personne ne peut vous accuser d'avoir détourné un seul centime. » Un seul centime. Elle lui a dit « Alors qu'est-ce que je fais ici ?» Ah, il a dit « Ah, 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 ah. » Donc, eh ben, oui, c'est la raison pour laquelle la question de l'indépendance de la justice, elle est centrale encore. Je dois dire un mot avant de... Voilà, un mot. Merci beaucoup, vraiment. De m'avoir permis de m'exprimer Hagda à l'aise, comme d'habitude, et tout ça. De clarifier Hagda et tout. Notre pays,
Thamour traverse une période extrêmement difficile et dangereuse. L'haq, nous sommes à la croisée des chemins, d'accord? Parce qu'il y a les conditions pour qu'on s'en sorte. Nous pouvons nous en sortir. Et nous devons, il le faut. C'est-à-dire, nous pouvons arriver, nous pouvons traverser cette période, nous pouvons traverser cet examen périlleux, et bien sûr, aller vers la refondation politique nationale, c'est-à-dire vers l'Algérie réellement démocratique, pour laquelle sont morts 1 million et 500 000 martyrs et des centaines de milliers d'autres depuis l'indépendance, pour lesquels se sont sacrifiés tant de militants depuis l'indépendance, pour la démocratie. Nous pouvons aujourd'hui effectivement faire ce sursaut salvateur. Mais malheureusement, les ingrédients aussi du chaos sont là. Ils sont là sur le terrain social, de cette régression terrifiante sur le terrain social et économique, sur le terrain des libertés. Ces convulsions, cette congestion, cette situation tellement délétère. Nous, on pense au Parti des travailleurs que toutes les Algériennes et tous les Algériens, aujourd'hui, bien sûr, sont interpellés, quelle que soit leur fonction ou leur poste ou leur opinion politique, sont interpellés pour empêcher l'irrémédiable. Empêcher l'irrémédiable, c'est-à-dire faire tout pour que cette révolution soit victorieuse. Pour qu'elle soit victorieuse, parce que la défaite de cette deuxième révolution serait une défaite de la première révolution. Ça veut dire les conquêtes et les réalisations de la révolution seront anéanties. Aujourd'hui, les travailleurs du port d'Oran sont mobilisés en défense du port menacé de privatisation. Je n'arrive pas à croire. Ma conscience n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là. Le projet de privatiser les banques, qui sont au cœur du mouvement national depuis 1926, depuis l'étoile nord-africaine, ma conscience, en tant qu'Algérienne, née dans une maison qui a été plastiquée 2 fois par l'armée coloniale, maître Bilge, ma conscience n'accepte pas ça. Et mon algérianité refuse, mon patriotisme refuse, et c'est celui de toutes les Algériennes et tous les Algériens. Alors, aujourd'hui, nous, on en appelle à la conscience, à l'entraide entre tous, au débat, etc., et au sauvetage, bien sûr, de notre pays, et à nous, à réaliser la vraie unité, pas l'unicité, dans le débat. Mais je voudrais, dans cette situation, dire combien de fois l'Algérie s'en est sortie victorieuse de situations très, très, très difficiles. Nous avons les ressorts, nous avons la jeunesse, nous avons le passé, nous avons la révolution sur laquelle nous allons nous appuyer, la révolution de 54, n'est-ce pas, qui nous a permis de nous en sortir à chaque fois. Et comme le Parti des travailleurs a été ciblé, c'est-à-dire le multipartisme à travers le Parti des travailleurs, certes pas pour la première fois, mais je voudrais adresser un remerciement, vraiment, un remerciement très vif, mais très chaleureux, à toutes celles et tous ceux qui, dans un torrent extraordinaire, dès que l'information est sortie de avec le ramassi qui s'est réuni fait Mazafran, et je le répète encore, moi j'ai porté d'accusation contre aucune institution, parce que c'est-à-dire c'est inimaginable dans ma tête. Et nous sommes en train de suivre. Le Parti des travailleurs, il organise sa défense, etc., ses militants, ses cadres et tout, mais ça nous a tellement réconfortés. Ce sursaut au niveau médiatique extraordinaire des journalistes, même des chaînes qui nous avaient attaqués, qui ne sont pas d'accord avec nous, qui nous avaient attaqués en 2019, c'est-à-dire de manière objective. Ces militants d'autres partis, tous les partis du PAD, RAGE, des militants même de partis du pouvoir, même du FLN, bien sûr des personnalités nationales, des intellectuels, la Ligue des droits de l'homme, des militants associatifs, des hirakistes de différentes wilayas qui nous ont appelés pour dire « si vous avez besoin d'aide, nous sommes là ». D'accord ? Mais là, nous sommes un parti, les luttes et les résistances. Nous sommes un parti
légaliste. Nous sommes un parti légaliste. Nous voulons continuer à nous battre dans le cadre de la légalité. Nous nous sommes battus pour le multipartisme, pour que puissent s'organiser les partis politiques en toute indépendance. Et nous n'avons pas l'intention de retourner dans la clandestinité. Donc nous allons défendre notre parti et j'en suis convaincu. Nous sortirons victorieux parce que c'est le sursaut extraordinaire, cette solidarité fabuleuse qui nous entoure, c'est notre protection. En réalité, c'est parce que toutes ces Algériennes et tous ces Algériens, dont la majorité, écrivent, nous ne sommes pas d'accord, mais nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas. Ils savent qu'à travers le Parti des Travailleurs, il y a le multipartisme, il y a les acquis d'octobre 88. Merci beaucoup. يغدي جرزن ثسوات ثويلت بوساقي مازال هو اللي تكمل تيليزار من بعد التلفزيون مير ثان ديك ثملي اللي ثان سقرب شوال ونمسال او نمسلاي غا فطاس نتمسال كون ويس غرف لث تمسال اكلي فنتوالا مقلا ذا جيز ما تشقا مي سقسين ولا مير في كلت غورنا كني هنت نسقرب شو سنقيم ادولي مما ينوث ذا جي ثملي ليث وطاس نتمسال ارثي ملي ليث